Justement, ça va quoi? Non. Quotidien 20h minuit, altislifefrance.com. Allez, ce soir c'est retour du colonel Dédé, parce que hier soir voilà, j'ai un petit peu regardé ce qui se passait du côté civil bandit, pour à peu près comment ça se passe de nos jours, comme on m'a signalé que le côté rebelle et bandit avait changé, et j'ai pu constater pas mal de choses. Bon, très bien. Donc là, retour du colonel Springfellow, Nancyra, Viper, enfin, il n'y a plus trop soi, il n'y a plus trop tout ça, on verra comment ça se passe. Merci à tous, encore, on est 432, on augmente de plus en plus, on a les 10 000 vues sur la chaîne, merci beaucoup, merci à tous d'être présents, salut Valentin, salut à tous, merci d'être là. Comme d'habitude, merci de partager la chaîne, merci de vos commentaires positifs et négatifs, parce qu'il y en a aussi, hein. Merci à tous de me suivre sur YouTube également, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, bienvenue à vous, n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à nous retrouver sur Discord pour le gameplay communautaire sur R6, Apex ou d'autres jeux comme LoL et tout ça, et sur YouTube pour voir les lives et les gameplays que je juge potentiellement corrects à diffuser. Voilà, pour ça, point d'exclamation YouTube, point d'exclamation Discord, et vous avez juste à nous rejoindre. Bon allez, bon live à vous, je vous fais confiance pour faire vibrer le chat un maximum, merci d'être présent, c'est parti, bon live, amusez-vous. Place à l'idée. Le blocage.
Des ours, on se fait taper partout aussi, bouge. Bon! C'est pas la colonel. Salut, maintenant, ça va ou quoi? Et vous? Au canapé, que... Si vous me permettez, est-ce que je peux faire une petite allocution après pour expliquer? Ouais, bien sûr. Ouais. Salut, commandant. Ça va, toi? Vous voyez bien, mon colonel? Ça va, collègue? Salut, j'ai vu que les gars, le fond restera là. Le plus haut gradé, c'est le général, après le colonel, et après le commandant. Gars, je t'ai dit félicitations, commandant. Merci, merci. Non, mais t'avais rien de particulier à me dire. Non. Tu veux l'équipement, peut-être? Fais gaffe à ce que tu dis. Oh, plutôt que de vous prendre la tête. Il t'a expliqué ou pas? Non. Faites un mur habituel, ce sera peut-être plus propre. Les Vipers, mettez-vous. Faut le garder. Je peux garder mon verre. Pop. Je te dis, allez avoir un bushing. Rapprochez-vous un peu, les gars. Allez, les gars, là. Allez, les gars, là. Mettez-vous en dispatch correct, s'il vous plaît, là. Allez, on s'active. Ouais. On se bouge le fion. On arrête de se masturber. Excusez-moi, j'ai encore le pantalon de l'opéra. Ah ouais, mais rien, Zach. Avec plaisir. Faire un câlin. Allez, c'est pas grave, on avance. Sur la bise. Sur le masque. Voilà. On s'avance tous un peu maintenant. Attends. Ouais. On peut vous avancer étant donné qu'il y a eu des départs. J'aurais jamais vu des rangs aussi serrés. Enfin, peut-être pas non plus, les gars, mais bon, je sais qu'on est une grande famille, que vous aimez bien vous mélanger, mais il y a des limites. C'est une place à Enzo, décalé. Et encore, CPA, il est où, là? Là, Tommy, là, Tommy CPA, d'accord. Il est là, CPA. Celui des deux. Yo, yo. Je veux une Tommy Kazar, comment ça va? Entendez, c'est bon? Oui. Ça va, Kanamo? Bon, ça va, et vous? Ouais, je suis fier de toi. Ah, merci, hein. Tu es un bon... J'ai bien fait de te mettre. Approchez-vous. Ça fait plaisir, hein. Ouais. C'est dommage que tes collègues soient partis. Putain. Ouvrez la meilleure. Dumas, toujours avec un Z. Toujours avec un Z et. Quoi? Redfield, ça va? Ouais, ça va. Bien pris. Toujours mon base. Bien... Bah oui, je sais. Bien fait de te prendre. Mets en fait. Ton arme dans ton dos. Je vais les mettre. Ok, Kanamo, je te plus Kanamo. Oui, je vais vérifier. Parce que si j'ai laissé ouvert, parce que si le lieutenant il voulait retourner. C'est... Bon, quelques changements dans la police, comme vous avez pu constater. Retour des OPJ, des officiers de police judiciaire. Je vais faire un débrief rapide là-dessus, car je laisserai expliquer lui-même ce qu'il va faire. Alors, s'il y a des volontaires pour rester 4 heures dans un bureau, qu'il lève la main maintenant. On est d'accord. Voilà. C'est la seule suggestion que j'avais. Bah, ça va être son rôle. Donc, je sais que vous avez... des avis partagés là-dessus. Je peux le comprendre. Et comme vous avez vu, il n'y a aucun volontaire pour rester 4 heures dans un bureau à faire de la paperasse. Donc, soyez heureux, vous êtes libérés de ça. Vous êtes content? Oui, mon colonel. Oui. Voilà, okay. J'ai pas l'habitude qu'on m'appelle comme ça. Donc, je laisse le lieutenant se charger de sa présentation, d'accord? Vous comprenez bien. Et je pense que ma question, à l'instant, n'est pas anodine pour tout le monde. Et que vous allez mieux comprendre. Allez-y, maintenant. Merci, mon colonel. Messieurs, bonsoir à tous. Alors, effectivement, je vais mettre un petit peu carte sur table directement. Je sais que pour certains, ça peut être choquant. Il y a 48 heures, il y a même 24 heures, même moins de ça pour ceux avec qui j'étais cette nuit en patrouille. J'étais qu'une recrue. Maintenant, je suis, entre guillemets, sous-lieutenant. Ça a une bonne raison, d'accord? J'ai vérifié quelques petites choses, j'ai regardé quelques petites choses, j'ai vu certaines choses. Et pour moi, vous êtes une police de terrain. Et j'ai remarqué que trop souvent... Merci de ton follow, Zoc. Merci beaucoup, je t'ai pas vu, désolé. De reconduite à la BA d'auteur, etc. Que beaucoup de temps était perdu sur les zones. En l'occurrence, BK, BA. Donc, pour ce faire, j'ai proposé au général ici présentement, du coup, de remonter la section police judiciaire. Donc, effectivement, comme l'a dit le colonel présentement, oui, effectivement, c'est beaucoup d'administratifs. Donc, s'il y en a d'entre vous qui sont intéressés, qui sont chauds pour rester à la BA, etc., bah, qui se présentent maintenant. Parce que salut Collins, comment ça va? Même à l'époque. Alors, moi, je suis le chef de service. Faire ça.
Sinon, vous ne pourrez pas faire votre travail du quotidien, tous les jours, pouvoir faire ce que vous faites, rechercher les gars, savoir qu'un tel a fait machin. Il faut des mecs comme moi, il faut des mecs comme d'autres, pour pouvoir remplir tous ces papiers. Je suis pas le chef de Syrah, d'accord, je suis un peu tout. Je vais faire très vite, parce que je pense qu'il y a d'autres allocutions après. Je vais faire un briefing sur la centrale, après on va la mettre en place ce soir. Donc, lorsque vous êtes dans vos unités respectives, d'accord, et qu'il y a un OPJ de présent, mon autre code est Papa Leader, ça fera rire certains pour ceux qui se rappellent. Ah oui. Donc, mon rôle, c'est quoi? C'est de prendre en charge les personnes qui vous interpelleraient. Donc si, admettons, Viper interpelle un gars, me le ramène à la BA, etc. Il y a un mec de Viper qui vient me voir, qui m'explique le comment du pourquoi le mec a été arrêté. Et puis c'est tout, vous venez pas à 6 ou à 8 pour me raconter tous la même chose. Vous envoyez un seul gars, ce gars-là va venir, m'explique ce qui se passe. Moi je m'occupe du reste, vous voir partez en intervention. Cela s'applique uniquement pour les délits et les crimes. Donc un mec qui roule à l'excès de vitesse de 30 km/h, vous lui foutez une brûle sur le bas côté de la route. Vous me le ramenez pas parce que le mec il a fait un excès de 30. En revanche, si le mec il vous fait un excès de 100, de 60, de 80, de je ne sais quoi, rétention de permis de conduire, rétention des véhicules. Donc le véhicule, vous le foutez en foyer parce que vous êtes en droit de le faire, d'accord? Vous m'amenez l'auteur à la BA, je lui retire son permis et puis il rentre à pied. Ça lui apprendra. Voilà. Pour ce qui est du reste, pour le moment, je suis seul effectif. Pour la suite, quand il y aura des effectifs au sein du coup de la PJ, il y aura deux officiers police judiciaire de permanence qui resteront à la BA, qui s'occuperont du coup de traiter les individus interpellés, et je répartirai du coup deux OPJ, un avec Viper, un avec Cobra. D'accord. Celui-là n'aura pas vocation de lead ou autre, peu importe mon grade, je ne serai pas là pour lead. Je serai uniquement là pour faire mon travail d'OPJ. C'est reçu pour l'ensemble. Jusque-là, tout le monde me suit. Tout le monde me suit jusque-là. Donc, à compter d'aujourd'hui, plus personne ne dresse de procès verbal pour des délits ou des crimes. Si jamais je suis amené à être absent, ou que les OPJ, la PJ n'est pas présente. Tu peux supprimer le message. Vous traitez le dossier correctement, vous faites ça proprement. Vous notez sur une feuille l'argent que vous avez saisi, dès que je prends mon service, vous venez me voir et vous me donnez cette somme, que moi je retransmettrai au général. D'accord ? Cela vous évitera des soucis. Pour ceux qui sont en train d'avoir peur de se dire, nos objectifs, comment on fait ? Les objectifs, je l'ai vu avec le général, si tout est bon, vous n'aurez plus d'objectifs. Vous aurez vos salaires normal, étant donné que du coup vous ne percevrez plus d'amende. C'est normal. Vous n'allez pas les inventer les 20 millions par semaine. Donc voilà. Donc, s'il y a des gens qui ont un souci avec ça, ou qui ont un souci en l'occurrence avec moi, avec ma promotion ou autre, je suis ouvert. Vous venez me voir en privé, on en parle. J'ai du vécu, j'ai du passé. Et ça, l'état-major l'a vu. Simplement. Donc si vous avez des questions, vous venez me voir. Merci à vous. Moi j'ai une question. Oui, pardon. Du coup, rapport avec Syrah, vous remplacez un peu les magistrats maintenant, donc perquisition et tout ça, et plutôt d'un magistrat, juste l'occurrence, un officier de police judiciaire. En l'occurrence, Syrah poursuit sa mission comme elle est actuelle, sauf que oui, effectivement, désormais, la PJ sera également présente avec la Syrah sur les perquisitions. Je suis habilité à perquisitionner sans la Syrah, à condition que ce soit pas avec du danger important. D'accord ? Donc, il pourrait m'arriver avec l'accord du magistrat ou autre pour une perquisition, avec l'accord du ministre, de débarquer et de demander éventuellement l'appui de Cobra ou de Viper si Syrah n'est pas présent ou n'est pas disponible. Voilà. Répondez à ta question ? Merci. Okay. D'autres questions ? Arfield, il remplace pas les OJA. Hein. Attention, parce que t'as parlé des magistrats. Hein. Il ne remplace pas les marshals. Avant, la Syrah avait besoin d'un magistrat pour perquisitionner. Maintenant, je me demande si Syrah plus un OP... Il n'y a pas besoin d'un magistrat pour perquisitionner sur un flagrant délit. Voilà. Sur un flagrant délit, il n'y a que besoin de la Syrah. Et maintenant, si jamais un OPJ est disponible, enfin un PJ du moins, si jamais un PJ est disponible, pris en flagrant délit, vous n'avez pas spécialement besoin de Syrah. Si vous les virez, les PJ peuvent très bien faire le mec. Alors, on a l'appellation... OPJ, je sens qu'il faut le time out pour que un officier de police judiciaire, mais la section, c'est la section police judiciaire. Voilà, et pas OPJ comme sur d'autres îles, la gendarmerie en l'occurrence, pour ceux qui me suivent. Voilà. Bah, c'est normal qu'on m'entende pas, mais Valentin, je parle pas en fait. Si, je parle, mais. Colonel, général. Avec un mec, il faudrait que tu t'aies sur un mec. Ouais, je vois ça. Si.
Merci, lieutenant. Donc, en tant qu'OPJ, bah, vous allez avoir la place, je pense, au bout du mur. Reçu. S'il y en a d'autres qui veulent vous rejoindre, comme ça, vous aurez votre mur de dispatch. La centrale, c'est ça ? Ouais. Bon, autre chose. Pour un souci d'organisation et de contrôle de l'activité des unités de terrain. Opération, les unités opérationnelles. Vous m'entendez tous, là, c'est bon ? Oui. Si. Ok, super. Alors, on va remettre en place une centrale. Les anciens savent ce que c'est, les nouveaux ne savent pas. Qu'est-ce qu'une centrale ? Une centrale, c'est une centrale qui oriente les unités opérationnelles vers le vif du sujet et qui coordonne les unités entre elles. C'est-à-dire que vous êtes tous sur la même onde radio. Canal 1, longue, forcément. Donc, l'utilité des longues portées sur, dans les véhicules et sur vous-même sont primordiales. La centrale, c'est quoi ? La centrale reçoit les messages et lit les messages envoyés par les citoyens qui ont besoin d'aide, entreprises et autres. Et dirige et coordonne les unités de terrain. Donc, la centrale ne doit pas conduire. Je précise, la centrale ne conduit pas. Tout comme le chef de patrouille qui ne conduit pas. La centrale va être prise ce soir par quelqu'un d'expérience. Est-ce qu'il y a un volontaire ? Un ancien. Qui connaît la centrale ? Je vais bien essayer. Vous connaissez. Ah bah, très bien, Dumas. Eh bah, tu vas nous donner l'exemple de la centrale ce soir. Je veux tous les effectifs sur le canal 1 en courte portée et sur la longue portée. Systématiquement. D'accord ? Et vous avez vos canaux respectifs pour raconter vos salades. Mais cela ne me regarde pas. Est-ce que c'est compris ? Non, c'est reçu. C'est reçu. Voilà. Si vous avez des questions centrales, qui a pas compris ? Moi. Qui, moi ? Toi, t'as pas compris la centrale ? J'ai vraiment pas compris. D'accord. La centrale est de retour, en fait. Ouais, ça j'ai compris. Mais le problème, c'est le truc du canal 1. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en permanence sur le canal 1. Exactement, et sur la longue portée. On entend pas. Et comment c'est possible, enfin, lors des patrouilles moyen, en fait. Eh ben, t'as la longue portée dans le dos, donc tu l'entends. Ah, donc c'est longue portée obligatoire pour toutes les unités. Bah, quasi pas tout, pour toutes les unités, mais au moins celui qui conduit pas. Le canal en 8. Le lead des squads, en fait. Le lead de l'escouade doit au moins avoir une longue portée. C'est pas dur. C'est... Tu prends ta longue, toi t'es chef d'escouade, t'as ta longue, voilà. Tu peux être sur la 1 et la 2 en même temps, tu vois que t'as courte. Oui, ça, je suis d'accord. Les hommes, eux, ils restent sur la longue pour avoir les infos quand même. Ok, ils restent soit sur la 1, soit sur la 2. Ouais, d'accord. Donc, ok, bah c'est ça. Donc, les hommes, mais sinon, c'est ingérable. Forcément, ouais, c'est tu peux pas avoir 3 canaux. Ah, bah c'est pas possible, 3 canaux. C'est ça que je voilà. En fait. Donc, c'est exactement. Que le lead est sur 3 canaux, mais les autres sont sur 2. Ouais, c'est ça, canon. Ok, c'est bon. De toute façon, tu comprends pas parce que t'es un peu vieux. En gros, voilà, retour de la centrale. Donc, pour ceux qui connaissent pas le rôle de la centrale, écoutez, apprenez. Et vous allez faire de même dans quelques semaines pour les nouveaux. Est-ce que c'est compris ? Oui. Oui. Bon, j'ai aussi averti certains d'entre vous sur votre comportement en police. Donc, n'oubliez pas que jeudi, ça reste ou ça part. Donc, faites des efforts dans ce sens-là. Messieurs, soyez exemplaires. Prenez soin de nos civils. Faites votre travail. Pour moi, c'est terminé. J'ai une petite question. Ah, d'accord. Super. Désolé. Concernant la centrale médicale, ça reste ou ça saute ? La centrale médicale est un très bon choix et ça reste. Ok. Est-ce que c'est reçu ? C'est bon ? Non, pas ça me va. En général, c'est fini ? Ouais, c'est bon, elle est patrouillée là. Allez, pour l'ensemble, garde à vous ! Appétit. À disposition des chefs des squads. Allez, Cobra, allez, pour tous les Reapers, on se retrouve sur notre mur, on fait un dispatch pour tous. Syrah, j'arrive, je me change. Allez, CP, on se bouge. Non, il reste juste en policier, là. Colonel ? Ouais. Ça va, parce que. T'es où ? Je suis là, j'ai pas eu de paye. Bah, c'est normal, ça fait combien de temps que t'es là ? 3-4 semaines, ouais. Bah, c'est normal, tu vas l'avoir jeudi. Ah, mais j'ai jamais eu de paye depuis le début, en fait. Bah, c'est normal, t'es jamais là, Dylan. Non, c'est parce qu'il y a des jours où je peux pas, en fait. Bah, oui, je sais. T'as failli te faire virer aussi. Ouais, j'ai vu ça. Donc, heureusement que tu m'as prévenu, moi, quoi, en fait. Ouais. Parce que sinon, c'était bye bye, hein. Alors, ouais, tu vas être payé jeudi, t'inquiète. Ok, ça marche, merci. Ok ? Pas de soucis. Donc, tu me dois 20 millions. Ouais. Quoi ? Guillaume, t'as supprimé ton groupe ? Ouais, j'ai supprimé mon groupe parce que. Parce que du coup, ça va pas fonctionner.
qu'il y aura une mise à jour prochaine sur le serveur. Voilà, je dirai pas plus. Merde. Je vais pas en dire plus. Je vais ça au courant de la semaine prochaine. J'ai vu des choses aberrantes. Et j'en ai référé. Sac à dos. Voilà, un rebelle. Pardon ? Salut, ça va ou quoi ? Je t'ai vu il y a 10 minutes. Tiens, je t'ai posé un gavois. Si tu la veux, prends la l'arme. Ah oui, pardon, excuse-moi. Merci CC d'avoir follow la chaîne. Merci Anthony de nous en avoir rejoint également. Merci. Excusez-moi, je vous ai complètement zappé. J'ai vu ça tout ça. Merci, merci beaucoup de votre follow. Bienvenue dans la famille. Venez aussi nous rejoindre sur Discord et sur YouTube. Et merci à vous. Pourquoi j'ai du café là ? Non, du café. Je t'ai trompé sur la carte. Le pourquoi ? Je vais remplir toute une tenue, je te la file, tu vas mettre à Barnvel. Attends, mais non, mais il se fout de moi. Ça permet d'avoir une dopée dans le véhicule en même temps, tu vois. A new follower. Salut Polo, merci. Merci du follow et bienvenue. Pardon, excuse-moi. Bienvenue à tous, merci. Et coucou. Oh, quelqu'un peut... Ah, revendez-la. On va revendre ça dehors, ben. Pourquoi j'ai un dupli de fond. Où Dave ? Ah t'es là. Yo. Papa. Regarde le note là. Yo. 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 Comment connaître ? Salut. Yo. Si la famille. Yo, Dimers, yo, comment ça va, Dimers, ouais, ça va, tuche, ça va bien, forme. J'allais dire, y'a pas de Dimers ici. Ouais, je suis bon, ça va, quoi, bien, forme, tranquille, ouais, ça va, la salade, bien, ouais, c'est ça, ouais, allez, on se casse. Regarde, ouais. Regarde la tête de ton âme par rapport à la mienne. Qu'est-ce que tu veux, t'as une balle de ta gueule, quoi. Ah non, c'est bon, Mosquito, t'es où? Il dit quelque chose, Adrien. Ouais, mais il dit quelque chose aussi, ouais. Toi aussi? Il n'attend rien. Est-ce que lui aussi fait du gaming? Il fait du streaming. Oula, gros problème de cerveau, que se passe-t-il? Why? Ah! Putain, oui, en fait, c'est quand vous regardez, en fait, regardez derrière, vous avez rien, regardez devant et là. Non, même derrière, j'ai des problèmes. Oh. Non, moi ça va en fait. À partir du moment où j'ai la RS6 moi dans le viseur, dans le champ de visu.
Non, c'est la force focus, je sais pas. Ouais, la force focus dans le visu et... Aïe aïe aïe, mes yeux quoi, putain. Ah oui, t'as raison. Ah, on est mieux derrière le bâtiment. Ah, stop, 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 stop. Hop. Sauf que, bah j'ai pas la... Pas dedans. Salut. Salut. Niam 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 niam. Ah, moi je suis civil, là, on est prêt à partir. Adi! Ah, mes yeux! Ouais, c'est parti en avant! Allez, on se casse loin, vite, très loin! On a oublié Bibi, mais bon. Comment ça, on a oublié Bibi? Il est là? Oui, oui, il vient d'arriver. Bibi en voiture! Mais. On va pas rester à 4 dans une voiture, hein, si? Ah, bah oui, Ah non? Wow, wow! Je suis dans la M5, hein. Et qui est Bibi? Boris. Boris le fou. Boris l'exécuteur. bah j'ai récupéré, je reprends mon arme. Enfin mon arme, je de reprends papa ma leader trousse, je reprends mon gilet. Non mais c'est mon gilet là que t'es en train de prendre. Les radios, les câbles, essaie de pas traîner les trucs par terre. T'as pris mon gilet là? Non c'est mon gilet. Non là t'as... Deux fumes. Voilà. Mais attends, ouais, j'ai gars, on va essayer de gilet. Qu'est-ce qu'il fait lui? Discret là. Mais non. Des policiers. Je n'assure pas, je dézone pas dans la voiture, c'est la même. Il y a juste un putain de dragon. Alors tu sais quoi? Oui, c'est carrément réaliste, on a pris un flic en otage. Allez, ferme ma voiture, voilà. Hop, c'est bon. Allez, ouais, par contre, ouf, parce que je vais te péter la gueule. Par contre, je pourrais avoir... putain de radio. Ton gilet? Ah mais les clés. C'est la voiture à Nick et nous on va bouger de ta voiture en fait. À moins que tu veuilles rester avec Nick et son BPE, mais si c'est juste pour le canon, il y en a aussi dans la voiture quoi, mais bon, c'est pareil. Oh va où? Oh salut. Hey Malikoum salam. Ça va la piste. On sort en EP? Bah oui, je t'entends pas parce que... oui, mais... Allez, vas-y, hop, c'est parti, vas-y. Allez, hop! En avant! On est super discret ça. Et du coup, on a plus de... Ah, si. Il n'y a plus de canal 6 les gars. Comment ça il n'y a plus de canal 6? Bah, il n'y a plus de canal 6, on a tous canal 1 comme à l'époque. Voilà, petite pause, je reviens. Je sais pas, il me raconte comme quoi on doit tous être canal 1. Ouais. Ça va? Ouais, nickel, et toi, Paris? Attendez, hop, je vais tout de suite. Ah. Ouais, bah oui. Voilà. C'est quoi ça? Ouais, bah... Dazimers pour tous, je rappelle la notion de couvrir le terrain, faire la queue de l'autoroute principale, c'est pas terrible. C'est au sud, tout brille. Ha ha ha!
Salut Fanatique, comment ça va? Tu vas refaire le... Bien sûr! J'ai pas eu trop le temps de vous streamer du R6, j'avoue, je vais me prendre le temps, vous inquiétez pas. J'ai pas eu le temps, franchement j'ai pas eu le temps. Avec tous les changements, le bouleversement du serveur et du staff, et tout ça, j'ai eu pas mal de boulot, donc voilà, là j'aurai un peu plus le temps. Donc effectivement, oui, je vais refaire du R6. Et tu pourras même jouer avec nous, mon petit Valoche. Tout à fait compris. T'as tout à fait compris. Ah. Vous êtes sérieux les gars là qui viennent de casser là? On a pas cassé. Bon bah c'est bien. Syrah, sur votre route, vous avez un accident dans la voie publique là. T'es passé Syrah? Ah bah non, j'ai toujours été Syrah, ça y est. Bonjour monsieur. Ah bah bonjour. Ça va ou quoi? Ça va et vous? Bon ça va tranquille. Bah ma voix hein. Ah j'ai un gilet dis donc. Oh c'est pas bien ça. Ouais. Faut pas prendre l'exemple. Faut pas... Eh bah, contre ma volonté, est pas en très bon état. Oh, vous avez pas d'outils là pour les réparer? Ah bah tiens, regardez qui c'est qui vient, ça tombe bien. Ah bah j'ai appelé. Ah bah nickel. Ah bah ils sont utiles en plus. Ah oui, ils sont utiles là. Très réactif. Qu'est-ce qu'on ferait sans la sécurité civile quand même? Ah ouais, qu'est-ce qu'on ferait sans eux? On s'occupe de ces messieurs après on vous amène au garage. C'est pas pour Viper Leader. Bon allez, nous on y va alors du coup, bah à plus tard. Bonsoir Dragon, bon courage, c'était auprès de vous, quel est votre channel? Prendre le café. Le numéro 2. Ouais. Ok la Porsche, ok. Ouais, ok la Porsche monsieur, merci bien. Là j'avais mon gilet et tout. Hein. Ah bah oui. Oh putain. La faute RP de dingue. Bah j'ai toujours été Syrah, slide c'est vraiment j'ai voilà. Non j'ai besoin qu'il réponde lui. Demande lui c'est quoi les infos que Yuga lui avait donné. À qui? Il t'avait dit quoi Yuga? Bon on est sur Canal 6 Dédé. Canal 6? Oui, on peut pas être tout sur le canal. Il est en train de réfléchir. Qui c'est Yuga? Attends j'ai la canal longue en secondaire moi les gars. Affiche c'est ce qu'on a fait aussi. Ah ouais bah je vous emmerde. C'est comme ça en fait qu'on doit faire nous en tant que Syrah, de toute façon on ne peut pas avoir trois canaux du coup on se met canal 6 et canal 8 longue portée et hop on auxilie. Ah non. Et on passe canal 1. Non en fait je suis allé Viper parce qu'il y avait un problème d'effectif. Et du coup comme j'étais état-major, je suis passé Viper, je fais le tour de toutes les unités, mais j'ai toujours été Syrah, lead Syrah et superviseur Syrah. Syrah dans le cœur, oui. Syrah. Ah, qu'est-ce qu'il m'a dit tout à l'heure pendant la PO tout ça, non? Qu'est-ce qu'il t'avait dit pendant qu'on s'amusait à tirer? Ah oui, le rapport que je te... Oh, on a cassé. On est rentré... À la voie R6 qui est venue en face. C'est ça, confirmé? Ah ouais, mais là, monsieur, il nous a rentré dedans, on fait quoi? Bah, tu fais un constat. Tu prends la facture? Ah salut, putain, Capi, en plus le monsieur c'est pas équipé légalement là, ça va. Il me fait peur, il veut nous braquer. Pas hésiter ça. Pas hésiter. Eh ben alors garçon. Ah bah bonjour messieurs. Oh là là, quel accident là, il faut appeler la sécurité civile là pour réparer hein. Très jolie voiture. Oh là là, magnifique, magnifique. Bon bah c'est bien.
Ah, Monnier. Bah, bah, les gars, vous avez vu comme il est équipé? Oh. Bon, écoute, garçon, on va faire quelque chose de très simple. Ouais. Tu sais comment ton pseudo à toi? Je m'appelle Hubert. On t'appelle Hubert? Non, je suis trompé. Donc, comment lui pour Sierra Info? Je te demandais de mettre les mains sur la tête, s'il te plaît. Annuler Bali. C'est reçu. Donc, tu vas monter dans mon véhicule? Ouais, je vais ranger mon véhicule. Non, va le prendre. Tu me le déverrouilles, tu me déverrouilles ton véhicule. Oui, vous en faites pas. Enlève les mains sur la tête. Enlève les mains de la tête. Monsieur là, il nous a rentré dedans comme un fou. Ouais. Tu m'ouvres le véhicule? Prends le braqueur. Hein? Non! Je discute avec toi, garçon! Non, il est en train de braquer, monsieur. Hé! Arrête de bouger! Arrête de bouger! Allez-y, mets les mains sur la tête! Ouvre-moi le véhicule, monsieur! Mets les mains sur la tête! Parce que là, ça chauffe, là. Tu mets les mains sur la tête dessus! Là, ça chauffe, oh là, ça chauffe, on se casse, oh là! T'avances devant moi! Tu me déverrouilles ton véhicule tout de suite! Ouais, c'est ça! Allez, maintenant tu rentres dans mon véhicule, allez. Vas-y. Mkata, allez, c'est parti, direction. Allez, on va avoir de l'argent avec tout ça, merci, gamin. Attends, prends son VL. Attends, il l'a fermé, mais non. Il a fermé son véhicule. Mais il est malin, lui. Mais c'est qu'il se fout de ma gueule, en plus. Allez, les gars, putain. Il est malin, lui. Ouvre-moi ton véhicule, tout de suite. Putain, tu te fous de ma gueule ou quoi, toi? Mes oreilles. Ah, mes oreilles, quoi. Je peux pas me noter. Mais non, tu peux pas menotter. Ah, t'as bien réussi à le fermer en étant menotté. Comment t'as fait? Tu fumes. Bah alors là. Allez, on le casse. De Sierra Lead pour les unités des P11 qui arrivent. Comment c'est temps de cul? A toutes les unités de Sierra. Ah bah il a cassé. Ah bah voilà. Allez, ouais, code noir les gars, faites gaffe hein. Allez, sors, attends. À l'écoute de Cobra. Allez, sors de la voiture maintenant. Sors, une fois, pour bouger. J'arrive pas. Un, deux. C'est bloqué, j'arrive pas. Dépêche-toi de sortir. C'est bon. Il nous prend pour un con en plus, c'est. C'est bon, j'ai ses armes. J'ai pris ses, oui, en prohibé, j'ai pris ses armes. On peut bouger. Pris pour qui? Yeah, oh. Faites gaffe les gars autour de vous les gars, postez-vous. Il est pas à mon marqué là. Voilà. Hey, il est fou lui. Entre l'autre véhicule, je suspecte qu'il nous ait mis un traceur sur notre. On verra ça là. Je vérifierai tout ça avec les policiers. Il doit avoir un détecteur pour ça. Ouais les gars, on m'a kidnappé. Quoi, tu parles à qui là? Parle avec qui toi? T'es menotté. Comment il peut parler avec des gens? C'est marrant, oui. Bouge pas. Ton GPS, ton téléphone. Hop, on est d'accord. Il a pas de radio. D'où il parle lui, menotté? Il a pas de radio. N'importe quoi, les gars. Il manquerait plus que ses collègues arrivent. Bah ouais, non, mais là. Bah alors là, je rigole. Hein. Vas-y, j'ai pris son véhicule. Allez, on bouge. C'est bon, on bouge. Allez, on bouge rapide, les gars. Allez, on ramène ça au condé, les gars. Fait comme langue pour les OPJ, là, pour l'OPJ, qu'on arrive avec un individu, équipement et armes illégales. Merci, je te fais ça. Sierra pour OPJ. Ouais, Papa Leader, parlez. Ah, voilà, Papa Leader. C'est reçu. Du coup, on vous ramène un PAX qui était armé illégalement et arme prohibée, équipement illégal. Il a également essayé de faire un refus d'obtempérer. On refuse de se mettre au contrôle et arme et équipement illégal. Papa Leader, c'est reçu. Hein. Je vous attends. À la DA. Pas l'habitude. Refus de se soumettre aux vérifications. Et refus, et pas délit de fuite, mais... C'est barré, en fait. C'est un refus d'obtempérer, pas un délit de fuite. Délit de fuite, c'est quand tu fais, par exemple, tu fais un accident et tu pars, quoi, tu fuis.
Collins. Ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas faux. Ah, qui c'est que j'ai pas dit bonjour? Il y a complètement Syrah sont pas fermés? Non. Bah, faut être étudiant minimum dans la police. Oui. Syrah ne recrute plus de civils? Non. Je ne recrute plus de civils. Désolé. Ah oui, j'avais oublié. Alors, il faut être policier, adjudant policier pour être dans Syrah. Voilà. Voilà. Je ne prends plus de civils. C'est à vous. Colin, il a dit quoi? Je trouve qu'il y a beaucoup d'actions sur ton stream. Par contre, quand même pas 30 minutes de patrouille. Attention aux fraudes. Vous arrêtez déjà. Ah oui, normal. Ils sont où les collègues? Normal. Putain, hop, attends, j'ai un problème. J'arrive. Quoi, on fait quoi? Bah, on t'embarque. T'as pas compris? Ouais. Ah bah, ouais. Ah si, bonjour. Allez, monsieur, bonjour, voici l'individu. Seigneur Helios, comment tu vas? Merci. Voilà, il était armé, il nous a foncé dedans, il est parti. Il a tenté de vous faire quelque chose ou... Hey, ils ont non, négatif, ils sont juste barrés loin. Je trouve qu'il y a beaucoup d'actions sur ton stream, on n'a pas 30 minutes de patrouille. Ouais, mon petit Zach, alors je sais pas si c'est Zach. Zach. Ah, je pense pas que c'était des policiers, je crois qu'ils allaient me voler. Ah ouais. Bah ouais, bah on voulait le voler en fait. Mais en fait, bah on te livre à la police quand même. Ouais, salut. Monsieur le policier, j'ai également récupéré son arme si vous la voulez. Je vais juste faire une photo. En pièce à conviction. Vous attestez bien que l'arme qui va être déposée est la vôtre? Dans mon véhicule. Et c'est quoi? Oh, les questions, vous avez vu quoi? Hop. Vous avez quoi sur vous là, monsieur là? Vous me demandez ce que vous avez fait et vous comprenez pas ce que vous avez fait là. Ah si, Ah, non, rien. T'as vendu ça tout à l'heure? Bah, tu l'as acheté donc c'est à toi. Ah, on t'a dit, hein, ce que les gens ils disent. Et du coup, t'as abandonné tes BAMC ou je sais pas quoi? Merci, mon petit Zach. Mon petit Zar. Merci, ça fait plaisir. Ah Dédé, t'as abandonné tes Black Angel ou je sais pas. Ouais. Un jour il en a eu marre. Ouais, c'est un peu. Non mais c'est pas possible. Les joueurs ne sont pas prêts à interagir avec quelque chose qui n'existe pas en fait. Ouais. La communauté n'est pas prête. Et puis j'ai pu vraiment me rendre compte de la difficulté du jeu. Ah. Oh là, oh fiston, un peu plus c'était sur ma bagnole là, comment on fait là? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Oh garçon, faut pas un peu plus. Comme ça, j'ai failli t'écraser. Si tu veux. Ah mais du coup vous avez roulé sans faire exprès un de mes orteils. Eh bah tant pis, comme ça tu pourras nager plus vite. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait on est deux jours en ville, on n'a pas de tout. Si vous savez pas nous dépanner un peu d'argent. Bah tu fais comme moi fiston, tu vas travailler. Mais justement en fait on n'a même pas de véhicule en fait. Ouais mais... Ah bah, en même temps il faut te renseigner un petit peu là. Est-ce que tu veux faire quoi en fait? En fait on sait pas vraiment, on est un peu paumé. Faut aller... On veut faire du coca, nous. Vous voulez faire du coca? On a la cyclo cul, on a la cyclo cul. La boisson? La boisson? Du Coca-Cola? Ouais, la boisson, un coca. Ah, bah, coca. Ouais, il faut que t'ailles. Alors, tout ça, alors, t'as plusieurs. Oh putain, ouais. Ils sont en train de nous chercher. Arrête tes conneries. Je te jure, on est pas poursuivi. T'as une carte? T'as quelque chose? T'as une carte? T'as une carte de l'île ou pas? Non, pas du tout. Normalement, pas d'argent. T'as un minimum d'argent quand même. Ah, je vous jure que non, hein, je peux même pas m'acheter un téléphone. Ah, bah écoute. Ah, tu prends, tu vas. Ah là là, compliqué tout ça, les gars, hein.
Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Bah déjà, il faut que tu... Bah là, tu vas aller à pied, là, tu vas appeler un taxi, là, et tu vas aller à Kavala. Et là-bas, à Kavala, t'auras... Ah bah oui, mais... C'est ça le truc, il faut aller à Kavala, et là-bas, t'as un agriculteur qui va te payer pour acheter et ramasser des pêches. Après, tu vas pouvoir acheter une voiture, et après, tu vas pouvoir te rendre dans les entreprises. Ah, d'accord. Et après, dans les entreprises, tu peux travailler soit du diamant, soit de l'or, soit du pétrole. Sur l'entreprise. Et après, tu vas gagner de l'argent, et après, tu trouves un travail dans une des trois entreprises ou tu trouves la tienne. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, d'accord, ouais. Après, si tu viens faire le méchant, voilà quoi. T'es pas tout seul, quoi. Il y a la police partout. Hein. Faut faire gaffe. Faire gaffe, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Voilà, donc je vous invite à faire du stop sur la route principale là-bas, là. Ouais. Pour aller à Kavala. D'accord. Bon, ben voilà, merci, monsieur. Bah, les enfants, à bientôt. Bonne journée à vous. Ciao. Oui, j'ai supprimé la présentation du groupe parce que je vais attendre. Vous avez vu l'appel? La semaine prochaine. Merci, merci. Tout simplement. Et... On se dirige du coup, Jeff. Et voilà. La semaine prochaine, il y aura une petite surprise. Du coup, on se dirige du coup à la mise à jour. Attends. Non, l'unité Viper pour l'instant, on verra s'ils ont besoin de renfort. On va se rapprocher possible, mais on va pas y... Ah oui, il y a des gens de pêche ici aussi. Ouais, bon. Vous verrez ça la semaine prochaine. Je ne vais pas vous en dire plus. De quoi, on va où là? On va se rapprocher de la hall. Apparemment, il y a des pandas là-bas. Y a-t-il la police là-bas? Pardon? Y a-t-il la police? Ah ouais. Une partie. On va s'approcher. S'ils auront besoin d'aide, on ira les deux. Sierra de Papa Leader, parlez. À l'écoute de... Votre gars là, il est en excès de vitesse alors, m'avait dit, non? Pas d'infos là-dessus, on n'a pas vu le flasher, mais en tout cas, conduite dangereuse, il nous a rentré dedans, conduite sur la voie. Ok, d'accord, donc dépassement, en gros, il conduisait sur la mauvaise voie, il nous est rentré dedans. Okay, circulation dans le sens inverse. Surprise! J'en dirai pas plus. Mon stream n'est pas là pour dévoiler certains secrets du serveur. C'est Rally de Dragon 2. À l'écoute de... On a besoin de renfort là pour choper les pandas. Ah. C'est reçu, on s'y dirigeait des... Allez, direction la rue pour tous. Passage 4. De centrale pour Dragon 2. Test caméra. À l'écoute. Besoin de plus d'unités au sol? Non, on a que 4 véhicules en fuite, ça devrait aller, Sierra. Bien reçu, donc pour Viper, on prend le convoi de la Diamond Company. Et après? C'est fait. Ici c'est fait. Oh bah c'était le véhicule. Confirmez le véhicule là? On est qu'un à l'un. A tous de DD, c'est bien le véhicule en fuite, la direction dans le sud? Ouais, ouais. Info urgente de Cobra 3 sur nous, on a du coup une Tesla qui a cassé avec un pax au sol du coup. Okay. Riol, vous avez des bagnoles sur vous. Pas fait, et il nous faudra des véhicules renforts. On arrive de Sierra. De Sierra 2 en 6 direct. Équipe sur nous Cobra 3. Le pax a mis l'arme dans le... Ok, équipe en confirmé. Affirmatif. Code rouge, code noir. Code rouge, code noir. Code rouge. Trouver ici.
Ramsey, il est où? Ramsey, il est en ville. Là, ils ont deux bagnoles au cul. Centre-ville. 1 km 3 derrière nous. Ok, des Sierra 3, nous nous dirigeons sur Pyrgos, Cobra 3, monsieur. Sierra Sud, Sierra Lead, on continue à suivre Canam. De Cobra Lead, nous poursuivons la Tesla direction Kalochori. Cobra 3 de DD là. Transmet. Toujours véhicule devant vous là. Non, il est maintenant. En fait, il est au niveau de Enzo et Dave sur Pyrgos. Une Tesla noire cassée, un Paxos à l'envers. Nous de Cobra 3, on va sur Riol pour faire un coup. Centrale de Sierra. Code noir, on se fait tirer dessus. Reçu, est-ce que. Reçu. Unité Pyrgos, code noir, interpellation, menottage. Reçu. Vous engagez. Cobra 4 de Sia. T'as la mienne peut-être. Ah non, c'est la tienne ça, tiens. Ah ouais. Non, t'as la mienne maintenant. Ouais, attends. Ce moment là. Elle est par terre. Information unité Pyrgos. De rien, on a perdu le lien système de l'éducation. Code nord sur notre position, code nord. Doc pour tous, la PMA est en attente sur Rotopoli. On fait une avancée tactique sur eux. Attends, c'est bon, on a visé. A tous de l'unité sur Pyrgos de DD. Transmis. Vous en êtes où vous? Côte-Noire. Sur nos Côte-Noire, ça tâtonne de leur côté et ça a ouvert le feu. Bien reçu. Interpellation maîtrisée ou pas? Oui, le monsieur est maîtrisé, mais il y en a encore d'autres qui nous tournent autour. Ok, bien reçu. Mettez-moi des points cartes ou des zones géographiques. On n'a pas encore de points cartes, désolé. On va stabiliser un collègue, on va l'amener à la PMA. Prends à gauche de la maison. Vanguard pour éviter Pyrgos. Un bureau central pour Sierra. Transmet. Toujours besoin d'aide sur zone. Affirmatif, plusieurs packs sont en opposition. Besoin d'aide sur votre demande d'ordre. Destination des packs, s'il vous plaît. Aucune idée dans en ville. Besoin d'aide au niveau des collègues par eux, Pyrgos. C'est bien pris. Bien reçu de centrale, donc Viper direction Pros sur Cobra pour porter ma forme. Reçu. CPA de information de Sierra Lead, code noir engagé sur les points. Besoin de vous pour un visu sur Pyrgos, nombreux packs, nombre inconnu Panda. C'est bien pris, on est sur zone, on va vous spotter tout ça. Merci. Vous avez un VLCQ qui est sur vous. C'est reçu, on a un collègue coma, c'est tombé. Quelle direction le VL? Ok, c'est bon là. Sierra de Dragon 2, il y a un VL au garage, c'est tout ce que je vois en thermique pour l'instant. Merci. On va s'y diriger. Pax sur garage, Pyrgos. Reçu, on y va. Ouais. Les gaz. Garage. Attends. Demande à toi de s'en abattre, on est pas sûr qu'il soit avec. Affi, si vous êtes la même tenue, les gars, en abat. Allez. Non, terminé. Tire multiple d'Empire. Subaru, Mitsubishi Noir. Aussi. C'est pas une Tesla en dessous de Dragon 2 là qui est. Ok, donc on voit. Un qui passe vers BP et un autre pompe. Comment ça, BP? A tout, j'ai besoin de com de DD là. Transmet. J'ai besoin de position de Subaru, véhicule, Pax. J'ai besoin de quelque chose. Subaru non, en face de toi, un Pax. Tenue gris. Route principale. Première occasion que je. Direction Sharka. Alors, comment va Sardix? Comment ça consomme pas les autres
tous, est-ce qu'il y a des blessés sur zone? Ok, oh, t'as vu des tirs? Ok. Bien pris, vous pouvez commencer à les lecteurs si vous avez moyen. C'est bon, visé. Va se mettre sur Rotopoli. Ce baron en visu. Afi, il est sorti, il a couru à pied, on sait pas où il est passé. C'est bon, on l'a en visu, il est derrière la maison où le véhicule s'est cassé. Il a les mains sur la tête. Reçu. Faites gaffe à ce que ce soit pas un guet-apens quand même. Afi. Il était seul dans son véhicule, 100%. Sauf s'il y a d'autres personnes qui étaient placées à l'avance. Le Cepalid, il a toujours les mains sur la tête au niveau du balcon à l'arrière. Confirmez que le Pax main sur la tête et il est blessé. Ah, il est blessé, je vais tirer dessus ça. De Doc, la PMA est active sur Rodopoli. Je serai à Saint-Pierre. C'est mieux pris, tu peux me le monter. Est-ce que tu veux me le monter ou pas, ou est-ce qu'on peut... Ouais, il va vous l'emmener, il va vous charger le CP. Je m'approche de vous. Dave à Kyle, faites attention, on sait pas si c'est Pax en face de nous, si on se passe mode, vous savez pourquoi. Ouais, c'est reçu, c'est reçu. On est d'autres positions de Pax, de Sierra. Yeah, c'est pas lui pour les Pax Valide, comment on s'est parlé? Non, c'est juste. Parlez, Sierra. Est-ce qu'on a d'autres positions de Pax, de Sierra? Ouais, tu rejoins les autres. C'est pas lui, comment on s'est parlé? Va directement chez les autres. Ah, d'accord, ok, j'en parle. Plus personne qui a deux. Dragon 2 pour Papa Leader, on vous dépose un Pax au niveau de la BA. Apparemment, il se revendait comme ne faisant pas partie des pandas. Il a fait un délit de fuite avec des armes et quand il est descendu du véhicule, il a mis les mains sur la tête. Ouais, je lui tire dessus sans faire exprès. Papa Leader, super payé. Mais ça, faut pas le dire. Hé, hey, Dédé, je te laisse conduire, je reviens dans 3 minutes. Oh, ça va être chaud là, mec. Oula, petite urgence. Ouais, vas-y, vas-y. Alors, pas là, pas de problème. C'est bien que ce soit là. Donc comment lead on part direction BA avec un monsieur, un Pax qui était réanimé. Reçu. Nombre de Pax encore possible dans la zone? Un minimum.
J'en ai peut-être un sur Doc. On est à la recherche, on avait une signature thermique. Affi sur la police sur Doc. Non, tu es où? Là je suis une sur Doc. Il y en a un sur la police sur Doc. Retransmet Ramsey. Je suis sur Doc, il est où s'il vous plaît le Pax? Dans le véhicule. Au niveau du véhicule. Là il est dans les bushs ou dans le véhicule? Dans le bush. Mitraille le bush là qui est contre le véhicule. J'ai une MK. Ok, une Audi grise, ça vous parle les gars? Audi A6 grise, c'est dedans ou pas? Il est au véhicule. Dans la voiture, oui. A tous, de DD. Pas d'info pour le... De pas d'info pour la A6 de Dragon, CPR. Soyez avisé que votre pack c'est Delta, Charlie Delta. Il est KO. Il est mort? Il est KO là. C'est celui qui est comme moi. Moi je m'en vais, y'a trop de flics. Ouais, là. Il est KO. Moi je m'en vais, y'a des flics. Ah, y'en a un autre. À côté? Normalement, oui. Y'en a qu'un seul là, de commun. C'est lui qui l'a tué, c'est pas lui. Moi c'est celui-là, c'est... je l'ai tué tout à l'heure. Ok, à tous non, de DD, j'ai une Audi A6 grise sur moi là, venez sur moi là. Besoin de renfort. Y'a une Audi RS6 noire, il me semble qu'il y ait pas que c'est sûr. Bon, là j'ai une grise sur moi. On arrive sur toi, DD. Viens avec moi, on va aller voir la maison d'Ave. Je suis tout seul, les gars. Doriol, on répare, on se dirige sur toi, on est à 500 mètres. Si on arrive pour DD, on arrive sur. Le CPA, on est à 20 secondes de vous, colonel. Ok, vous arrêtez l'Audi A6 qui vient de partir de la zone de fight à toute vitesse. Je suis sur la PMA. Après, on est en visuel, la RS6 se redirige actuellement vers Kalochori. Vous la contrôlez. Il nous faudra une unité au sol de CPA. Ah, c'est ce que j'ai dit depuis le départ. Doc, pour police important, la PMA est corrompue, elle se dirige à Antrakia. Le CPA lead, c'est dans la Audi, c'est des civils. C'est des civils avec tenue civile de base. Donc, ça m'étonnerait que ce soit fait. Ok, civil, on se barre. Situation du coup, terminée? A priori. Ok, reçu, bon allez. De Viper Lead, on a une véhicule qui tourne, donc on va sur position parce que c'est... Combat 3 pour combat 5. Affi. Venez récupérer la cause, moi je vais devoir manger. Jeff, du coup, pour l'instant, on va récupérer tout véhicule, que ce soit civil ou police, et ensuite de ça, on va faire RTBA une fois que tous les collègues seront souhaités. Du coup, de Doc, je rappelle, la PMA est sur Antrakia maintenant. Vous allez où? Si vous avez pas de RS6 noir, il doit avoir encore un Pax en cavale. Ok à tous, vous récupérez tous les véhicules police, civil, Pax, rebelle vivant, collègue blessé, direction BA. Du coup, PMA, Antrakia, Église. Hein? Tu sais que moi j'ai dit la même chose, j'ai eu aucun reçu, putain. Ouais, bah moi je suis colonel. Je sais pas, un véhicule a percuté des collègues route principale en plein milieu. Ils se sont percutés mutuellement. Vous avez encore des packs à ramener BA ou pas? À tous de CPA, 4-5 véhicules qui suivent, qui rentrent dans la ville. Ah, fille, là ça pue position CPA Paros. Au moins 6 VL sur un seul VL au sol de policiers. À tous de DD, est-ce que vous m'entendez là?
Affirmatif. Bah, RTB avec les véhicules, les packs et tout ça, direction la BA. Allez hop hop hop. On se traîne pas et on y va. Allez, on bouge les vies, sont soignés. Il reste un véhicule d'impact, ça va bien la route. Tant pis, allez, on y va. C'est un véhicule. Est-ce que vous avez. Il y a des unités qui ont des packs ou pas? Ah, fille, tu es dans. Vivant, mort, décédé, blessé grave? Blessé. Ensuite. Un cadavre, bien sûr. Ensuite. Cobra, ok, faites une cop sur Papa Leader pour ramener, pour avertir qu'on ramène des packs. Code pour Kanamo. Transmet. Transmet. Scott, transmet. De Doc, j'en ai un qui est vivant. C'est reçu. Reçu, Papa Leader de Syrah. Ouais, Papa Leader, j'écoute. On vous ramène des packs armés suite à une fusillade sur là où on était. Doc pour tous, est-ce qu'on a encore des blessés sur zone? Négatif, Doc, vous pouvez lever PMA. Bien pris, merci. Il est trop beau. Super. Super. Ouais, je sais. Putain, je t'emmerde. Je t'emmerde. T'es des paysans. C'est ça. Et alors. Ouais. Ah bah je t'ai sauvé la vie. Hein. Ah putain. Grâce à moi, t'es sauvé, Nick. Hein. J'ai neutralisé 3 packs qui venaient sur nous, con. Ah. T'as même rien compris. Quel héros ce DD. Oh ouais putain, qu'est-ce que je vais faire de moi. T'as loupé un truc. Les 3 véhicules. Bien, ça va tranquille, Abdullah. Ta famille, ça va? Alhamdulillah, la famille. Oh, bah. Pourquoi tu vomis comme ça? Bon. RS6 noir. Bon, quelqu'un peut me le prendre en escorte là, s'il vous plaît, parce que monsieur. Voilà, chopez-lui la tronche là, vous lui mettez face à moi, il veut pas comprendre. Voilà. Voilà, on va se mettre Michel, en bas, fais-moi voir ta petite tronche. Voilà, photo. Ouais, on jamais voilà. Payer de quoi, mec? Ça fait 10 ans qu'on va payer tous les jours que tu te fais choper. En fait, c'est la première fois. Non, c'est pas la première fois, ton casier, mon gars, t'as 11 interpellations. 11 interpellations, 11 infractions pour les mêmes délits. D'accord. Donc, crois-moi d'une chose, c'est que c'est la dernière fois. Ça, je peux te l'assurer, c'est la dernière fois pour toi. Le ministre, il est au courant, tout ta paperasse est en train de se faire. D'accord. Donc, du coup. Y'a un mec là-dedans ou pas? Ouais, si, il est sorti. Alors. C'est des pandas ou c'est quoi eux?
Très très bien, écoutez. Ah, monsieur le policier, monsieur le policier. Ah, je suis pas bien là. Ah, ça va. Tu me prends un sniper ou pas, toi? Je vais où, monsieur les policiers, là? Ouais, là où, là? Vous voulez quoi? Bah, je sais pas, vous m'arrêtez, là, machin, et vous me dites de faire ci, faire ça. Équipement illégal, ensuite. Compliqué, hein, c'est ça. Mais non, moi je considère même un crash. Mais c'est quoi ici? C'est la fuite, ça y est, tout le monde arrive. Bah, ouais, ouais. Ouais, je vous jure, monsieur le juge, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai volé l'orange du marchand. Bah, pourtant, ils nous ont tous dit que c'était. Bah, je sais, mais c'est pas moi. Je vous jure, monsieur. Vous êtes de la Sierra, vous? Non. Non. Moi, je suis là pour nettoyer les carreaux. Vous voyez les vitres? Ah, merde. Ah, ouais. Ah, ouais, d'accord. Ah bah il mérite un peu. Leur officier de police judiciaire. Bon, c'est pas très propre pour l'instant, mais on fait ce qu'on peut. Bon, c'est pas tout ça, mais donc, j'aimerais parler à mon avocat. Moi. Vous pouvez m'emmener? Ok, venez. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Tu danses ou quoi, hein? D'accord, lui il a le droit de se promener. Bon, qui est actuellement 19h46. Voilà, on bouge les autres. En garde à vue. Pour toutes les autres unités, vous dégagez de la BA, vous laissez faire Papa Leader. S'il a besoin d'un coup de main d'effectif, vous lui laissez un effectif ou deux. Et les autres, on repart en patrouille. Et on évite de mettre les véhicules dans les barrières. Affil pour les Cobras. Vous faut changer de bagnole, non? Et on ressort. Tu veux changer de bagnole, non? Quoi? Tu veux changer de bagnole? Oh oui, on peut faire ça. Ouais, ouais bah, parce que je t'ai bien entendu tout à l'heure. Dédé, il est... Sinon, comment ça va, la chatte? Oh putain, t'es con, toi. Il fait du gunfight une personne, voilà, c'est pas moi. Non, je vous jure, c'est pas moi, pas touché. Il chope, hein? Mais il a maillé autre chose. Ouais. Salut Ralph! Comment ça va? Bienvenue et merci d'être présent. Allez, c'est parti. Ça va, toi? Ah, Bibi? Ça va, ça va. Ton frère, il te manque pas? On est bon. Il fait quoi, ton frère? Pressant, hein. Ouais, mais il fait quoi, ton frère, actuellement? Il est parti sur sur d'autres sur ah son... ah ouais il a changé de pays, il a pris l'avion. Ouais. Bon. Quoi ça? C'est mon VL, Toi t'as sorti ton VL? Bah ouais parce que le designer est un... Pourquoi t'as sorti un VL? Le designer est un suisse. Mais parce qu'il veut changer de bagnole. Ah ok d'accord, ok. Putain, vous êtes con les mecs ou quoi? C'est la nôtre celle-là, ça c'est la mine. Je vais dégager le pack qui est dedans. Stop. T'as un gros cul en fait. Ah là là. On t'a déjà dit ou pas? Ouais. Ah putain, c'est un truc de fou. Un truc de malade. Hein. Ah mais lui, ça je quelqu'un. Ça plaît aux femmes. Y'a trop de bruit. C'est fou ça. Je vais ouvrir, hein. T'as qui cette voiture? T'as qui cette voiture? Les Cupac ça? Non, rouge là. Ça c'est à nous. Ah ouais. Mais ça? C'est quoi qui se passe? Je vais le brécher, colonel. Oh putain! OGB, tranquille ou quoi? On va au beurre. Tranquille? Putain, Abad! En bois charmant? Putain, Abad! Je pensais pas qu'un jour t'allais être Marshall, toi. Non, mais attendez, faut que je vous montre un truc. On m'appelle le Brigeur maintenant. Parce que ouais. toi qui fais du magouille, qui fait de la drogue et tout, et là tu te retrouves. Je me suis rangé. Putain. Un meilleur plaisir. Oh la gueule. Attendez, venez voir. Faut que voilà. Je vous non, mais j'ai pas envie de te parler en fait, ça change pas. Regarde Prison Break. Hein. Ah putain. J'ai dit que vous laissez valer de la prison, ce con. Bah tu le bousilles comme d'hab. Arrête de faire la gueule Hubert. Pourquoi il s'appelle Hubert? Dieu dimanche soir mais enfin. Ah pourquoi? T'as trop fait la chouille le week-end? Allez Titi, tu conduis. Ok. Conduis bordel. Vous allez chercher le petit vicieux là-bas. Test canal 6. Reçu? Non. Reçu. Vous êtes prêts? Bah, nous, Chira, nous on est prêts. Hein. Je vais juste chercher à manger à bord et j'arrive. Centrale!
La centrale est toujours là ou pas? C'est quoi son... Ouais, allons, la centrale connecte pas. Parfait, Incom. Centrale de DD. Sur écoute de centrale. Nous reprenons patrouille direction Atira pour Sira. Bien reçu de centrale. Yo, Lucas, comment ça va? Merci d'être là. Yo, fanatique, comment ça va? Merci d'être présente à tous. Merci. Allez, va sur le terminal. Allez, un petit tour casino, vite fait, rapidement, pour que tout le monde s'équipe. Ok, à tous les Sirens, on va faire un petit tour casino pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau clientèle, le temps que Cobra et Viper s'équipent. C'est reçu de Sirid, j'ai aussi des informations importantes à vous transmettre. Après, plus tard. Attendez, je m'éloigne un peu de... ouais, du coup, donc ce que je disais, on a des infos au niveau de Molos. On a souvent apparemment les pandas qui se retranchent souvent dans Molos et Sophia. Et apparemment, quand ils vont se retrancher, ils vont avec des petites armes M4 et ils ressortent avec des M200 et machin et tout. Donc potentiellement des gens qui ont des maisons là-bas. Faudra aller checker. Monsieur. Oh. T'as vu ce que j'ai vu ou ça se passe? Oui, oui, j'ai vu ça. Attends, bouge pas. Maintenant qu'on a les noms. Ok, je veux du monde sur moi. Je veux du monde sur moi rapidement. S'il vous plaît. Besoin urgent du monde rapidement. On va compter, hein. Oui. Oh, Gadjo! Gadjo! Ça va ou quoi? On va bien ou quoi? J'y vais pas en vol. Ok, j'ai les pare-balles, les gars. Bon, merde, j'ai les pare-balles. A tous de DD. Sur écoute, oui, parler. J'ai besoin de renfort, j'ai une Nissan noire sur ma position équipement illégal. Oh, Gadjo, okay, où tu vas? On va discuter avec toi. Vite, 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 ça, va, ça part, direction terminal. J'arrive vers vous. Merde. Ok, véhicule. Oh putain, mais les lags de ouf qu'il y a ici, quoi. Direction terminale, plusieurs PAX. C'est quoi exactement, monsieur? Bah, on vous demande, on veut discuter en fait. Allô? Allô? Allô, y'a quelqu'un? Vous m'entendez ou quoi? On veut juste parler, nous. Qu'est-ce que t'as? Vous m'entendez ou pas? Ah ouais, on t'entend. Allô? Ok, j'ai une Audi RS blanche, break, direction, route Kavala, route principale, une Nissan noire avec gilet pare-balles et cagoule, direction de fuite à Kavala, route principale, reçu. Reçu pour Viper, on est derrière vous, on vous suit. Allez, Viper, je vous laisse le soin d'intercepter les véhicules et procéder au contrôle, équipement illégal, donc suspect, délit, droit de fouille. Oh! Attends, je... C'est reçu de Vibe. Allez, Gadjo, descends, fais pas le débile. Descends, fiston. Allez, fiston, descends. Bonjour. Bon, bonjour. Tu sais qui on est? Non, je sais pas qui vous êtes, non. Ah, qu'est-ce que tu fais avec un gilet pare-balles sur toi, là? Bah oui, on t'a vu, hein. Regarde, mon collègue, il a un insigne à te montrer. Montre-lui ton insigne. Allez. Voilà. Allez, tu mets les mains sur la tête et tu sors ton équipement et tu nous donnes les clés de ta voiture. Ah bah c'est ouvert. Ah bah super. Ah ouais, c'est beau ce qu'il y a là-dedans. Voilà, à tous, interpellation de la Nissan noire. Il reste plus que la Audi RS6 blanche. Vitre teintée. La RS6 blanche a été interpellée par Viper. Bien reçu. Bien reçu, contrôlé, ils sont avec. Donc déjà, nous, on a équipement illégal. Hein. N'oubliez pas que vous avez autorisation de fouille systématique lors d'un délit. Et c'est un délit. Allez, donne-moi les clés, Gadjo. Donne-moi les clés de ton véhicule. Oh, tiens, l'autre véhicule qui est parti à eux. Ah ouais, c'est bon, aussi. Ah, on peut sur trois, c'est une belle mèche. Dès que vous êtes prêts pour mes otages, vous nous faites signe.
en radio et on procède au menottage synchronisé. Il n'y a pas besoin de le menotter l'individu, on lui dit de me. C'est bien reçu, d'accord. Oui, monte dans le véhicule, va d'art, toi. Tu montes en passager par contre. Allez, tu répares, on prend le véhicule. C'est fermé, monsieur. C'est fermé son VL. Allez, c'est tu répares. Ah non, c'est ouvert. Ah bah, je suis con. Ah ouais. Vous êtes prêts à me noter? Négatif, il peut voir son véhicule, attention. Les gars, il est monté dans votre voiture non me noté. Faites gaffe à votre équipement. La fille, t'inquiète. Non, vous inquiétez pas, je vais coopérer. Hein. Il y a un Hummingbird qui nous survole. Ah ouais, pas de problème. CPA, bah, il y a CPA, vous inquiétez pas. Chacun son boulot. Centrale de DD. Sur écoute. Alors pour information, interpellation de deux individus, équipement illégal, route principale après terminale. Appel Papa Leader s'il vous plaît pour information de qu'on vous ramène deux individus, équipement illégal. Papa Leader c'est re... Non. Du reste tu parles en langue à chaque fois, du coup il t'entend. Hein? Non mais Dumas répondait en langue, mais comment bah, c'est moi qui l'ai en fait. Enfin. Ah. Ah ouais ça. Ah. En fait je mets mon sac, je mets mon arme dans ton sac, mais. Moi j'entends un. Et je prends la tienne en fait. Ouais. Le gilet pare-balles, je crois qu'on va changer de couleur parce que moi. Je descends de chercher mon arme, je dis ah bah il est pas là. Il est actuellement 23h02, d'accord. Je vous informe en tant qu'officier de police judiciaire de permanence. Ah, il sait que le club est. Son boulot. Je vais libérer. Suivant. Merde. Fais gaffe. Ah, c'est pas fait exprès, pardon, pardon. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ramène le camtar. Tentative de meurtre sur un jour. Bah, un mec qui fait de l'héroïne, on va ramener le camtar. Il a rentré le. Vous disiez la tentative de meurtre sur un jour, vous êtes pas d'accord? Avec le dernier point, vous voulez déposer nos camions, monsieur? Bah, ouais, on va vous libérer au camion. Ouais, il est là. De Papa Leader pour les unités, qui est-ce qui m'a ramené un panda? C'est le gun, c'est la fusillade qui a eu à Kalushuri. Ok, c'est reçu, je voudrais savoir, le monsieur conteste formellement avoir fait usage de son arme et seulement informé qu'il avait porté assistance à son collègue, vous confirmez? Parlez. Une combinaison quelle couleur? Aucune idée, nous on a vu le pack. Papa Leader de DD. Alors qu'il a tiré ou pas, on s'est patienté, ça me parle à la longue. Donc, du coup, de Papa Leader, c'est un. Ah bah t'es là. Ça peut être une complicité, Papa Leader. Ouais. Eh, hey, regarde qui est là. Bon, ça marche. Un jeune gudin qui fait pour Papa Leader. Ah bah voilà, bah tu le ramènes à Papa Leader. Ramène-le, tiens. Ouais, alors attends. Ramène-le. Tu peux prendre le véhicule ou pas pendant que... Ah bah ouais, bah vu que je suis payé pour faire ça, moi je veux bien. Vous parlez pour là, pour moi là. Moi aussi, je suis payé. Faut pas que. Papa Leader de DD. Ah ouais, je vous écoute, Sierra. On vous ramène un individu avec un camion rempli d'héroïne. Non, mais c'est bon, les gars, arrêtez, je suis débordé là, ça. Ah, mais nous sommes opérationnels, nous sommes Sierra. Ouais, oui. Non, mais vous je m'en fous. Vous avez fait une descente ou quoi là, c'est bien. Lui, d'accord. Il y a de l'héros qui arrive à gogo en plus. Bibi de DD. Bon monsieur. Bibi de DD. Pardon ? Oui. Tu vas faciliter la tâche de Papa Leader, tu vas lui notifier les droits s'il te plaît.
pourquoi il n'y a pas de lumière dans ce BA. Et tu vas procéder à la perquise du camion en même temps. D'accord. Par contre, je mets pas amende tout ce qui est amende à l'individu. Non, négatif. Tu lui notifies les droits et tu vas faire la perquisition dans le camion. Comme ça, tu avances le travail de Popo Libre. Reçu ? Ça marche bien. Merci, Libre. Donc, du coup, vous trois, oui. Le Joker, le général et toi. Ah, ok, d'accord. Ça marche. Hop, voilà, on va vérifier tout ça. Puis le passer ça va aller. Sécurité, il y avait rien du tout. Alors que Yuga, apparemment, t'as des sentiments pour moi ? Ah non, je pense que c'est vous qui avez des sentiments pour moi. Jeff, c'est affirmatif de Bibi. Alors, je suis désolé de dire ça, Yuga, mais entre toi et moi, c'est juste pas possible en fait. Pourquoi ? Ouais, parce que j'ai déjà plusieurs mecs et copines. Ah, un plus ou un de moins ? Un plus, un de moins. Ouais, c'est vrai. Tourne-toi pour voir. Ah, ouais, c'est pas mal. Ouais, mais écoute, un de plus ou un de moins. Non, mais c'est bien, c'est pas besoin de plus, on verra ça. Ah bah le squat, hein, ça aide. Le central pour CPALI. Transmettez central. Des velles ouvertes avec des armes. Un renfort CPALI sur position Viper. Le vel, il est ouvert, là il y a de l'équipement, et là à côté, là le. C'est bien pris, on va y aller. Ouvert avec l'équipement, je sais pas qui a laissé ce véhicule là, mais là le mec il fait combo 7 VL plus 2 VL, là il est full équipé. Ouais, bah c'est normal. Ah, celui-là, il y a gilet P4, chargeur. Ouais. Ouais, prends mon gilet. Vous avez été 4, mais par contre, vous n'avez pas les moyens de payer votre amende. D'accord. Ah, ouais, juste. Bon, là, ça devrait être assez rapide. Tu supprimes ça ou pas ? Sûr. Ouais, on supprime. Voilà. Laisse pas ça en bon. Michel. On a deux smics. Putain ! Oh non, mais non, mais. Mais putain ! Mais putain ! Mais non, mais. Non, tu vas pas donner les clés. Mais pourquoi tu peux changer ? Ok, à toutes les autres unités, direction. Là, c'est parti. Oh bon, on organise des temps. T'en as un au-dessus de Gravien, je crois. Oui. Peut-être un. Ouais, si, entre Gravien et Tonin qui met les lumières, je vais dessus. Ouais, on y va, Bah écoute, on est bon. Si on va passer Canal 6. Donc du coup, monsieur, vous allez être verbalisé à hauteur du coup de 500 000. Bon allez, on se casse technique. Où est la voiture? Bibi, Nick. Bibi, on va fuir. Mais parti. Alors, Sierra, pour information, les véhicules banalisés se garent derrière, là où il y a l'hélicoptère en Marshall. Ça évitera de deux autres de nouveau, en fait. C'est vrai, en fait, je sais même pas où il garde mon VL. Ouais, ou dehors, ça marche aussi. Il garde devant, il garde devant. Alors, Jane, ça va ? Ça va, et toi ? Tu passes le bonjour à Tarzan ? Non, parce qu'il y a ton sac 16, pour ça. Ah, une mallette, là. Ouais, une mallette. C'est monsieur ? De Viper Lead pour Papa Lead. Vous avez trop payé les parties 500 000 euros. T'as les clés, tu veux être VL? Ouais, j'ai pas les clés. Demandez. Ne vous inquiétez pas, je vais vous dire tout ça. Y'a pas Papa Leader là. Jeff pour Bibi. La fille de Bibi. On est parti. Oui, juste j'informe l'OPJ et. J'ai fait la saisie. Bah, fais-le en canal 1, reviens lui par radio direct. A plus. De Viper Lead pour OPJ. C'est une com longue en disant qu'OPJ c'est Papa Leader, hein, c'est marqué sur carte. Tu veux que je la fasse ? Ouais. Ok, donc petit rappel à toutes les unités, quand on s'adresse. Dis-leur que c'est demain. On ne l'appelle pas OPJ mais Papa Leader. Message de DD. Oh, c'est pour moi. Alors, je suis de Viper. Et n'oubliez pas qu'il est tout seul. Bibi, les rebelles n'attendent que nous. Ouais, y'a du monde, hein. Pareil, il a du job, hein. Ah bah oui, c'est clair.
Lui, il va, bah lui, c'est son truc. Donc. Il s'est éclaté. Hein. Plus la centrale. Centrale de DD. Oh merde. Centrale de DD. Sur écoute de centrale. Nous repartons en patrouille direction terminale à Tira en attente de Cobra Lead et de Viper. Bien reçu de centrale. Allez les gars, direction Atira, ou direction Casino, et après Atira. Ou l'inverse, à votre initiative. Les unités que j'ai oubliées là-bas. Papa leader, c'est Dudu. C'est Dudu. C'est qui Dudu? Bon, Bibi, tu. Oui, c'est bon, j'arrive tout de suite là. Dudu, non, c'est un. C'est un nouveau qui vient d'arriver dans la police. Nouveau policier qui était gendarme avant. Donc, c'est Papa leader, c'est les officiers de police judiciaire. En fait, ils font tout ce qui est administratif sur les PAX. Non, Dumas, non, pas du tout. Dumas, il y a Viper Lead. Dudu, il est Viper. Donc en fait, on aura une nouvelle fonction dans la police. Donc on a maintenant Viper, Cobra, Sierra, CPA et OPJ. On a 5 unités. Même si OPG, ça reste une... Ouais, ça ressemble beaucoup, effectivement. Hein? Même si OPJ, ça reste une unité secondaire, entre guillemets. Oui, entre guillemets. Mais ça reste quand même une unité à part entière. Parce qu'il faut aimer faire ça pendant 4 heures. Ah ouais. J'en connais un qui va se faire plaisir, c'est Scartfield. Ah oh bah oui, il était magistrat. Tu penses qu'il va postuler? Ouais, je pense qu'il va postuler au PJ. Mais ce serait bien d'ailleurs. Ah. Oh. Oh. Ça va? On s'est fait taper dedans. Bah oui, je vois ça. Oh. De toutes ou de tous? C'est le plus beau de toutes, de toute façon. Ah oui, Dumas. Salut Lolo Bajon. Viper Lead pour centrale, les Vipers partent direction Paros, Sofia, reprennent la route. Reçu de Sierra, on vous rejoint. Merde, faut que je fasse mes points. Hein. Allez, c'est parti! Ah merde, il y a mis une certitude. MCD. Validé. Non. Préparation. 3. Et jusqu'au soutenement. Comment on va? Bah ça va, t'as cassé? Non, c'est pas moi qui ai cassé cette fois les gars, je conduis pas. Je ne peux pas casser si je conduis pas. Ok à toutes les Sierra direction Est, Pyrgos, enfin les autres en fait, les autres unités. On va voir un peu ce qui se trame là-bas. On va pas s'éloigner de trop des autres unités, restons groupés mais avec de l'écart. Jeff, est-ce que tu voudrais pas qu'on aille checker justement Molo, c'est Sofia, les maisons là avec les... Si on va se rapprocher, on va dire aux unités, on va se patrouiller là-haut, ils vont nous suivre un petit peu de loin. En fait, vous l'avez aussi, hein. En fait, faut prendre le foulard, faut pas prendre les JVN qui sont sur la tête, faut prendre le foulard. Et comme ça, après, tu l'as sur tout l'écran. Mais Dédé, fais gaffe, ça c'est que pour dans les shops. Ah oui, c'est que dans les shops bandits rebelles. Ouais, et police.
pour les civils, c'est des JVN classiques. De rien. À toutes les unités. Ah merde. À toutes les unités de DD. Sur écoute de Viper Lead. Je vais vous demander de venir avec nous du côté de Molos, Sophia, faire une petite patrouillette là-haut. On a entendu dire que beaucoup de rebelles s'y équiperaient. Reçu de Viper Lead, on vous rejoint. On a interpellé un camion en off-road avec dans un lieu. Dans un. Il a coupé off-road devant nous en fait, donc on l'interpelle, on vous rejoint. Aïe! Vous les verbalisez en fait? Affi. On est jamais mieux, on est jamais mieux de 3. Ouais, ou 4. Oui, d'accord. Ouais, Bibi, avec nous répare. Tu téléphones toi là ou tu fais quoi là? Ouais, il est en train de la route. Vas-y, raconte pas une histoire, Bibi un peu. Il était à Bibi Lap. Bibi Lap. Bibi Lap. Il était à Bibi Lap. Il n'avait plus jamais froid. Il n'avait plus jamais froid. Putain, ça fait longtemps que t'es brigadier chef toi. Ça fait une semaine, non? Ah ouais. Une semaine, non, ça fait plus, non, vas-y, 2 semaines. Non, ça fait 3 semaines. Parce qu'il y a ah. Ah oui, t'as c'est vrai. Encore. Bah, c'est pas moi qui conduis, les gars. Arrêtez de m'engueuler. Putain, je me fais engueuler Nick à cause de toi, quoi. Pas moi, les gars, c'est Nick qui conduit, c'est pas moi. Alors, pour ma défense, j'avais pas vu le panneau. Ouais. On se mettait. On va terminer, on prend la route dans le genre de position. Ok, bien reçu. Ça reste de la surveillance générale, hein, pas d'inquiétude. Hein. J'ai pas dit qu'il y avait des rebelles. Hein. Apparemment, il y aurait des rebelles qui s'équiperaient dans cette zone là-bas. C'est ça. Et ça y est, mon fond vert, il redéconne. Putain, vivement que j'achète un fond vert encore parce que... Casse-couille. Ben oui, il est mort. C'est pour ça que je vais à fond vert. C'est quasiment bon en fait. C'est pour ça que j'ai mis la cagnotte. La cagnotte du fond vert. Headshot 360. Ah bah bravo les gars. Vous arrêtez. Bah non, je crois que 6. Bravo les gars. Ah. Cassé tout le temps en fait. Franchement, c'est pas de sérieux. C'est l'arbre qui est cassé, c'est pas nous. On répare l'arbre là. Ah bah oui. Ah bah oui. Forcément. As-tu des oiseaux chez toi? Non, c'est du jeu. C'est les yeux qui sifflent.
Cobra Lead pour Syrah. Franchement, Starfleur, ça fait. Annulé comme, excusez-moi. Monsieur. Merci beaucoup. Bon, c'est les Syrah. Ok. En fait, non, on avait un monsieur qui fuyait vers vous, on voulait vous passer Nerf, mais il a cassé avant. C'est pour ça, je vous explique. Ok, monsieur. Vous êtes allé faire un tour, Sophia, Molo, c'est tout ça là? Transmet. Est-ce que vous êtes allé patrouiller un petit peu, Molo, Sophia et tout ça? On en vient à Arès. Arès, ok. Je repasse Canal 3. Bah, Canal 1 en secondaire. Affirmatif. Et en longue? Et en longue, j'ai la longue sur le dos. Et en Canal groupe? Et j'ai le Canal groupe en Canal 3. Magnifique, magnifique. Je passerai colonel demain? Non. Ah mince, j'aurais tenté. C'est ce qu'il faut faire. Salut Gugu, bienvenue, comment il va? Mon VIP permanent privilégié, le plus présent. Comment ça va? Nickel. Stop, stop, stop. Alors je suis désolé si je suis un peu tassé hein, là, mais parce que je peux pas en fait, vous voyez la caméra, hop, je peux pas faire plus, sinon derrière il y a le fond vert bah, qui pétait là, bah je peux pas fermer, désolé hein. C'est vrai que c'est comment pas très sérieux. Papa leader. Vivement le prochain fond vert. Donc, concernant la carte d'acquisition que vous trouvez dans point d'interrogation en vie, en fait, point d'exclamation en vie, pardon, et ben c'est ça va me permettre de faire des lives sur le gameplay PS4, comme je vous ai promis, hein, comme j'avais dit déjà, que je voulais étendre les lives sur la PS4. Donc, en fait, compte, je pense que je vais la commander après la cagnotte. Du chroma key qui va me permettre d'agrandir un petit peu l'écran pour pouvoir bouger et mieux interagir avec vous en fait, parce que là vous voyez c'est pas top et il y a encore quelques loupés, vous voyez comme le flou et entre les doigts et là par exemple le vert, donc parce que c'est pas un fond vert de qualité, c'est un fond vert de photo et pas de stream. Donc une fois que j'aurai ça, j'acquisitionnerai donc la carte d'acquisition pour jouer à la PS4, pour faire des gameplay PS4 sur les FIFA 19, Ultimate Team, FIFA, du sud, vous FIFA 20. Du voilà, le total. Il y a quoi? Il se passe quoi? Prendre les noms de chaque maison et faire coordonner ça avec les noms qu'on a des pandas. Ah ouais, d'accord. Et du coup, voilà, on va faire ça et la cardicalisation sera financée par tous les abonnements qui ont été pris sur la chaîne et sur tous les cheers, les bits de la chaîne qui a été versé. Donc merci à tout le monde de participer à ça directement. Il n'y a pas que les donations, il y a aussi les abonnements et les cheers qui vont servir à tout ça. Une fois qu'on aura équipé tout ça, je pense que nous partons pour faire une sacrée belle communauté, une sacrée chaîne avec du divertissement sur un peu tout. Oui,
Alain Ruid, c'est normal? Ouais, Aline? De Vapeur Lead pour Sierra Lead. Pourquoi il y a une porte ouverte là? J'ai une porte ouverte les gars, là c'est normal? Allô? Sur le transmet? Odor, Alvar, c'est normal ça? J'ai la porte ouverte là, d'un mec, du maison d'un mec. BSP, si tu peux l'ouvrir et la fermer. Mettez des croix sur si tu peux le faire, logiquement, c'est qu'il y a un souci. Il y a un souci. De vérin. Ouais, il y a un souci de vérin, c'est ça? Ouais. Okay. Logiquement, tu dois pouvoir le faire pour toutes les baraques, donc rip. Ah. Donc voilà, en gros, l'acquisition, la carte d'acquisition va être financée comme ça. Et je voulais tous vous remercier de, surtout, bah, tous les abonnés, forcément tous ceux qui balancent des cheers et des bits à longueur de stream, et aux donateurs, naturellement. Grand merci à vous. Et merci à tout le monde d'avoir follow aussi la chaîne, naturellement. Frank de Viper Lead pour Cyraline. Transmettez. Citrep sur un molosse. Affirmatif. Ok, là, allez vous, vous rendre aussi sur les coordonnées géographiques 047 161 6 packs apparemment. Ok, une égale d'est trop lointain pour nous, on traite ce qu'il y a dans l'est. De Viper Lead, on a un hélicoptère qui vient juste de se poser dans Molos, on est sur position, personne au sol là. Merci. T'es beau, merci. Merci tes coachs, je vais quitter, mais merci. C'est bon. Bien reçu de Centrale pour Cobra Lee. Sierra de DD, vous êtes là? Sierra! Affi. Putain, je suis tout seul là, vous êtes où là? Ben, on a un canal 6, 8h, y'a pas d'inter, donc... Mais Dédé, pourquoi est-ce qu'on a une DP au-dessus de nous alors qu'on est censé être discret? Parce qu'il y a un hélicoptère avec des packs qui viennent d'atterrir. Ok, d'accord. Yuri, ok, je vois que ça oublie ici. Non, mais putain, mais t'es con. Non, j'ai pas vite oublié. Mais regarde, les followers ont augmenté, on est quasiment à 500, donc je peux pas me souvenir de tout le monde. Excuse-moi, Yuri. MP aussi là. Ah bah je vais checker ça après. MP TS ou Twitch ou Discord? Parce qu'il y en a beaucoup maintenant à vérifier. Alors merci aussi à tous vos messages. J'ai une cinquantaine de messages par jour sur Twitch en MP. Ça me fait super plaisir. Même les insultes me font plaisir. Twitch, ok, je vais regarder ça, t'inquiète. Oui. Salut, t'as eu peur hein? Mais putain, mais ils sont partis où les cons là? La limite et tout ça là. Vinstakishi. Ah, il a un fichier, tiens. Vinstakishi. Tu crois que c'est un t-shirt ou des chaussures qu'il a? qui joue dans Fast and Furious? C'est Vin Diesel. Qui c'est qui est là-dedans? Elotri, Adrien et Octavia. Okay. Oh putain, Belucci avec ta voix sensuelle. Adrien, avec ton bandeau de merde, et Octavia, toujours aussi. De Viper pour Sierra. Par contre, je vous appelle. Transmettez. Le nom de la personne de la maison que vous avez contrôlée, c'était quoi déjà? Bonne question, je pose la question à Sierra. On a contrôlé personne avec des maisons. Non, il n'y a pas de nom. On a eu une information en disant qu'il y a des rebelles ou des gens dans des combinaisons un petit peu bizarres qui viendraient récupérer des armes dans le secteur.
Reçu, donc pour vous, on a un hélico qui est posé, qui attend son contrôle de pilote. Ah! Ah! La fille, quand on est arrivé, elle était déjà là, RAS pour l'hélicoptère, vous inquiétez pas. Ok, bah du coup, RAS pour les maisons, perso, j'ai rien trouvé. Ok, bah allez, on dégage tous, direction la patrouille de surveillance. Ouais, RAS, comment ça va? Je regarde ça, mon petit Yuri. Reçu, donc Viper, on va partir direction route principale, Pierre Gosse. J'aimerais également qu'on se dirige un petit peu dans l'ouest, mes amis. Reçu pour Viper. Parce que là, on délaisse complètement l'ouest. Hein. N'oubliez pas qu'il y a aussi une grande criminalité sur l'ouest. Hein. Tu m'as parlé là ? Non. Pas du tout. T'as eu Nick Nick là? Laisse canal 1. Et en qui pour Cyralide? Dédé, t'as bougé le L? En fille, sur moi. Je vais me poser au garage, vous pouvez me récupérer. Allez, monte. Allez, va au garage. Oh. Tu peux être con du coup, tiens. Non, je suis passé en conducteur et. Je sens que t'es un con. T'es un con. Mais t'es con. Il disait qu'il voulait. Je suis au garage, où êtes-vous? Dans le ciel. C'était Zizi. Ah non, c'est bon, j'ai survécu. Comment t'as frôlé l'explosion? Tu m'entends qui? Ah, si tu veux, la bleue ou la grise? Celle-là, elle est plus proche. Fais le bon choix. Bah allez, y'en a un qui conduit là. Je me soigne et puis je conduis. Oh bah je vais conduire. Allez. J'ai un peu mal. Parce que moi quand je conduis je casse. On me reproche souvent de casser. Bon allez, direction l'ouest, c'est un petit peu de casser, vous, qu'est-ce que j'ai raté? Rien. Rien du tout. Alors si, tu as raté la réunion. Enfin la réunion. Le discours du dispatch que j'ai fait. Donc je t'invite à... Oh ta gueule. Ta gueule. Et du coup du coup je disais de Jeff, au niveau de la maison Pyrgos, là je vais me mettre un point noir, il y avait une maison à perquisitionner l'autre jour, on l'a pas faite. Maison de qui? Je sais pas, c'était un individu qui s'était retranché dedans, il l'avait arrêté mais on était déjà occupé avec Donc, je sais plus ce qu'on faisait exactement, mais... Du coup, Zizi, nous avons maintenant un papa leader. Un papa leader est un OPJ. Un officier de police judiciaire qui reste toute la... pendant 4 heures à la BA et il traite tous les packs qu'on a ramenés. Comme une secrétaire. Comme une secrétaire, mais... Il gagne mieux. Avec plus de responsabilités. Je sais pas si elle couche. Je sais pas si elle couche tout de suite, donc voilà. Donc c'est, ça va être, c'est, franchement, c'est une très bonne idée. Ça jase un peu, mais c'est une très bonne idée. Enfin, on n'aura plus trop de paperasse à faire. Nous, ça nous permettra de se concentrer sur nos enquêtes. Mmh. Et sur nos interpellations. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, j'en sais, c'est nickel. De Viper Lead pour Sierra Lead. Ah bah voilà. 3 VL Pax sur notre position, refus de tempérer. Ah bah voilà. Allez, on s'équipe les gars. Allez, à tous, on s'équipe, on passe canal 1. Tu feras gaffe, t'as un poil. Ça va. Ok.
Qui est Apple? Bah toi. Voilà, nickel. Signalement des véhicules Viper. Est-ce qu'un Tao Nord est compris? Mon avis, oui. Oh mais c'est... Oh putain. Attends, il y a plein de flics et on se casse. Arrête, rentre pas dedans, il y a plein de flics, on se casse. Faut pas dire ça. C'est un take down. Négatif. Négatif, c'est pas fait exprès. Oh putain, fait chier, il y a les keufs en plus. Putain les gars, il y a les... En plus il y a les keufs les gars, putain vous faites de la merde. Allez, c'est bon. Pas nous monsieur, c'est pas nous. On n'est pas avec les messieurs. On n'est pas avec eux nous. On n'est pas. Bon les gars, vous faites votre boulot là, comment ça se passe? C'est une Viper là, s'il vous plaît. Ouais, sur écoute. Attention les gars, ça va venir sur nous. Faut les interpeller les mecs. On a des squads qui est dessus actuellement. Allez, on bouge. 3 véhicules qui vont sur les squads en question. Allez, on s'écarte. Bon, Viper Cobra, à vous de jouer sur les packs. Nous, on s'écarte, on s'est fait passer pour de la balle, on s'écarte et on revient sur zone. Reçu. Et essayez d'appeler des collègues, non, sur zone. Oh, il y a le Tao, je sens qu'il va nous la mettre à l'envers. Ouais. Là, à mon avis, on a un peu grillé. Oui, un peu. Y a-t-il une négo en cours? Ah, si. Ok, reçu. Alors, tous les autres policiers, vous vous placez dans les environs. Point d'accroche, point d'appui, fixe, arme dans les mains. On va se mettre en position TE. Ouais, nous on va se mettre en position TE. Il y a une magnifique colline juste à côté. Dumas, tu fais gaffe, il vient de ranger son arme. De toute manière, ils avaient équipement illégal, hein. Donc voilà, il n'y a pas photo. Mal. Allez, vous. Qui c'est qui est prêt? Quelqu'un pour le TE? Non, c'est bon, c'est fait. Faudrait les clés. C'est pas moi qui. Le bac. Tiens. Derrière nous, on a une voiture. Eh ben, j'espère que tu sais bien garder mes. Tu pourras garder mon bec. T'inquiète. Où ça, derrière nous? Elle était sur la colline, azimut 182. Elle est repartie derrière. Vous me faites une com longue, vous me rappelez toutes les autres unités là. Couvrir avec le VL, bouger le VL pour me couvrir avec. Attends. C'est valide à toutes les unités. L'L4 il est avec eux là ou pas? Qu'une info. A mon avis les autres unités sont trop loin. Faites une comme message. Ouais, ah, aussi envoyer un message. Dumas, tu veux une contravention? Viper Charlie. Il y en a un qui avait une arme. Viper Charlie pour Sir. Allez. Envoie-moi un point de sniper à côté de vous sur la montagne en mouvement. Ça part en délit. Refus de tempérer, délit de fuite, personnel Pax armé, bord de l'Audi RS6. Non. Je
je vois pas les points cartes, moi, les gars. Sur. Ils sont en mouvement, il y a le véhicule bloqué. Okay, juste devant, à tous, ça y est, refus d'obtempérer, c'est confirmé? C'est confirmé, refus d'obtempérer. Ah bah allez-y, les gars, tu... Allez. Ah bah vous procédez à l'interpellation, vous informez radio, code noir ou pas? Négatif, il n'y a pas de code noir pour l'instant, c'est juste refus d'obtempérer, pax armé. Reçu. Allez, c'est parti, les gars. Faites votre boulot. Aidez dans votre... A new follower. Attends, là, je vois la Starkey Hatch. Marie, comme d'hab. Salut Toto, bienvenue, merci d'avoir follow la chaîne. Tu peux aussi faire point d'exclamation Discord et YouTube pour nous abonner et nous rejoindre pour les jeux communautaires. Merci à toi et bienvenue. Sur lead pour son. Sur écoute. Actuellement, on poursuit des véhicules direction Molos. Refus d'obtempérer plusieurs. De centrale pour Cobra Lee. Il y a tout qui se passe à Molos, c'est un truc de fou, hein. Ouais. Ah oui, il n'y a jamais ici, donc les rebelles s'implantent, hein. Donc de Vapeur Lee qui nous ramène sur Sofia, là où il y a tous les véhicules, ils sont tous. Jeff, okay, tu peux couper la route au VL juste derrière toi. Mais ils se sont bouffés le panneau. Ah, ils ont repris. Toi, je vais pas te lâcher, mon bonhomme. Donc, il y a la voiture qui est Audi qui est devant toi. Ah, si, mais bah, un peu vite pour moi. J'ai tenté. J'ai de la nitro. Ouais, bah, moi aussi j'en ai, hein. Mais ça paraît pas. Mais qu'est-ce qu'il fout? Qui, toi? Vous allez bien? Qui a fait que ça? Ça va, nickel. Ça, c'est un peu j'ai tapé. Ah, fini, tu nous attaques. Bon, j'ai déclenché balise pour les unités sur DC, hein. Très bien. Vengé. Ouais, gros coup de vent. Pour moi, il était large. Oh fuck. Jeff, confirme-moi que le VL noir est continué sur la route. Eh ben, il est en face. FIFI, on a mangé son cul. Allez, hop. Allez, un take down. Pas sur vous. Qui a un take down? Nous. Ok, donc c'est la balle. Abattu, code noir. Très bien. Mettez-vous en position nord de Sofia, plusieurs véhicules qui se sont mis en position. Les dragons, on va te chasser leur abattre. Je me soigne. Octavia. Ouais, je me soigne, les gars. Hop. Soigne-toi, mets-toi couvert. Je te couvre. Sur Doc. En fait, je vais voir. Le moi sur Doc. On va bouger, allez, bouge. Rejoins notre position, Doc. Non. Moi, je fais peur, moi. Tiens, lui, tiens. Là, les gars, pourquoi? C'est vraiment pas compliqué, hein. Mais on a pas l'air en contrebas, on peut pas voir. De quoi? Approchez-vous, il me tire dessus comme un boulet. Vas-y, t'as envie de réparer. Y'en a qui répare? Ah, je répare. Y'en a qui m'a menotté, les gars. Ah, non. Reste là, il va. Doc, essaye de les ramener sur route principale. Non, mais il a cassé. En fait, là, il me tire dessus comme un boulet, mais il sait pas quoi faire en fait. Il tourne sur son véhicule jusqu'à ce que je sorte. Je sortirai pas. Rafale-moi les échos, s'il vous plaît, les gars. Ouais, c'est fait. Test radio. Oh, j'ai lâché la. Aïe, il a sorti son gars, il s'est barré. Peut-être ta force, on part des infos. Affirmatif, code noir sur L4, position Syrah. C'est tout? Bah, Pax a battu au sol, il reste plus que le L4 et 2-3 Pax au sol. Bah, donnez les infos, hein, sur Data, on peut pas traiter le L4. Bien reçu. Le L4 a fait boom, je répète, le L4 a fait du maïs, j'ai traité le L4, j'ai perdu mon code. Aussi. Allez, on cherche le pack sur Doc, s'il vous plaît. C'est bon, il est KO, vous l'avez couché. Bien reçu. Code de dragon 1 disponible pour extraction de packs.
Bien reçu, besoin d'extraction Pax Doc sur position Sierra Lead. Un Pax Négatif, Sol. Négatif, besoin d'extraction Collect Poly sur position du MAS. Affirmatif, priorité du MAS. Ah, c'est réparé au cas où. Bon, allez, on se casse. Info shoot. Ça tirait sur Doc, mais sans succès. Je dirais peut-être le dôme ou ces environs-là. Répète la pause. Radar dôme. Ouais, reçu, on va dessus. Allez, Desserra, on embarque dans les voitures et on se casse, on s'écarte. Tu peux tirer dessus. Allez, vas-y, conduis. Il y a un véhicule sur les deux. Reçu, Desserra, on s'y trouve, on y va. Allez, il est dans l'L4. Du coup, Doc, est-ce que tu peux nous coller une PMA? Putain, y'a trou! C'est en cours en fait, je suis. Ouais, Kenny, ça va ou quoi? Bah, je sais que ouais. C'est Kenny, ça va ou quoi? Merci d'être là! Salut Toto! Ah bah, Toto, wow! Jeff, on a un Pax au niveau des fourrés, on met un rond sur. Mettez-moi des points cartes, les gars, pour faciliter les autres unités à voir où sont les Pax, merci. Les gars, l'Oanina c'est clean là? Putain, y'a un collier. Hein? Ah, si, c'est clean après Harvey. Ok, bah, je vous mets la PMA là-bas. Kowalski prend un semi-transfert au niveau des deux. Normalement, il y aurait un pack sur la zone. Faudra quand même le CPR en couverture sur la zone avec eux que ça se ramène. Vas-y, pose-nous là, on va essayer de le. On va tirer. Ok. Bah, ouais, posez-le à la limite sur le Alina et tout. Tu me dis quand c'est bon. Vas-y, prends le TE si tu veux des mères. Non, non, vas-y, prends-le. Au passage, on te met une collègue. Là, qui a descendu, rappelle Jason. J'ai l'impression que ça court vers la voiture. Encore une commande dans l'hélico CPR. Ah bah non, alors c'est celui-là, je crois qu'on le verrait. Ça repart là. Négatif. Ça reste près de la voiture. Gag d'ailleurs, c'est peur. Vous au niveau des silos ou plus dans l'avenir. De Jeff, moins 1 au niveau du. CPR pour Doc. Transmet. Moins 2 de. Elle est où la PM? Juste derrière le Nina. Le véhicule en mouvement sur votre gauche. Ouais, ouais, on bouge. On se casse. Ouais, on se rapproche. Putain, j'ai verrouillé. Ah, t'es des unités, des DD, information sur radio, s'il vous plaît. A tous, de DD, information sur Dôme. Après, c'est pas sûr, pas que ça fuite. Reçu. Pour information, la PMA est sur Loanina. On la tire sur Dôme. Tu nous fais moins 15 au moins le DD, non? Quoi? Direction du pack sans fuite? Ouais, moins 15. Ouais. Direction du pack sans fuite niveau 2? Y'en a pas. Direction 9. Ah non, mec, la voiture t'a battu, c'est bon. Puis Pax. C'est bon. Sierra 2 de Sierra Libre. Encore des tirs. À l'écoute de Sierra Libre. Encore des tirs sur votre position? Négatif, on a neutralisé 2 TE et un hélico. Sur Diablo, il y a encore des tirs. Reçu. Où Diablo? On sait pas d'où. Il doit être dans la ville, ça doit être placé dans la ville. Non, c'est au niveau du dôme. Au niveau du dôme, les gars. Ouais, mais genre. Genre derrière nous, en fait. Peut-être la tour solaire, non? Et puis la ville, sinon, ouais. De Jeff, on va mettre un rond sur carte au niveau de la centrale solaire, on a un véhicule qui partit en. De Delta, je vais vérifier. C'est reçu, potentiellement deux Pax. Bon, pour l'instant, j'ai rien vu. De Jeff, il s'agit d'une RS3 noire qui a pris la. Ah ouais, minimum les gars. Le Delta c'est clair là, tour solaire. Ok, bien reçu, direction tour solaire. On se regarde. Allez, on bouge. Allez, on bouge, on va là-bas. Dans la ville, y'a pas de velle qui traîne là, qui peut nous tirer depuis la ville. Je vais prendre l'information. Bravo. Tour solaire. Ouais, tour solaire. Ouais, centrale solaire. De Dumas, un Pax dans la ville, sur ma position, maison en ruine.
Ah bah voilà. Ouais, si on l'a vu. Ouais, on y va. Pancarte, s'il vous plaît, on va essayer de traiter de ça. Et où? Ils sont où? Ah, ils sont loin. Ah non, ils sont où? Drapeau mis. Sur l'ouest. C'est bon, drapeau, ouais, yes. Bâtiment carré, confirmé? Affirmé, confirmé. Construction cassée. Ok, reçu, on arrive. Allez, on fonce. C'est un bobo, Yankee? Oh, il y a encore des tirs. À droite, à droite, à droite, juste à droite. Ouais. À tous, pack sur ville. Dans ville. Allez, on descend là. Mais l'eau, fais gaffe à droite, tiens, droite. Ah, j'ai pas de bout au cas où. Mike, t'es ok? Ouais, ouais. Fais gaffe, c'est en train de tirer. Nate, c'est du masque qui tire sur le personnel, je suis de l'autre côté de sa position. Mais là, c'est moi qui tire. Fais gaffe, vélo à droite dans la ville. Diablo, c'est toi qui tire? Ouais, c'est fini. Putain, mais c'est toi qui tire, putain, de, du masque. Ah, bon, allez, on bouge, c'est Diablo qui tire, on bouge de Sofia. On va sur le Pax Ruin. Il bouge. C'est chez nous. De Dumas, je m'extrais, je me mets à l'écart, j'ai reçu plusieurs balles. Pax descendu au rez-de-chaussée. Au sud de Sierra, on y va. Si on fait, on le rush du coup. Ah bah oui, on va le rush avec les boucliers, les gars. C'est notre boulot là aussi, à un moment donné. L'unité la plus puissante de la police, je pense que c'est sur le fait d'être en civil comme ça. On a un avantage de fou, il est quand même. Vous faites malin aussi. Ouais, non, je suis pas trop d'accord. C'est pas une question d'être puissant. C'est pas de la puissance. Ouais, c'est pas pareil. Attends, en face de nous. Allez, arrête-toi derrière les buissons là. Derrière les buissons, là, ici, la maison. Arrête-toi. Maison en ruine, hein. On est d'accord. Hein. Ouais, c'est le qui est juste devant. Là où il y a le véhicule. Il est commun, le Pax. Je vais essayer de venir stationner. Le Pax est commun dans le bâtiment Pax. Cobra 2, info sur le rond noir, s'il vous plaît. De Jeff, on a un véhicule qui s'est parti en fuite RS3. Info sur moi. C'est celui qui s'est fait. Technique, le Pax est commun, c'est bon. Donc on voit ça qu'on rentre dans le bâtiment. Ok à tous, le véhicule est neutralisé. Hein. Merci. Excuse-moi Nick, j'ai cru que c'est toi qui tirais. Mais c'est lui qui tirait, c'est le véhicule. Ah ok. Alors je m'excuse pas du coup. Plus la smoke m'a fait peur. Je te comprends, bâtiment clair. Présence de Pax ou pas? Ah si, Pax à l'étage abattu. Ok, vous me notez, vous soignez, vous faites une extraction par CPA. Monsieur. Direction PMA. À toutes les unités, est-ce que c'est bon, c'est traité de chaque côté? Charlie, de pas de nouvelles de Pax, on est juste une RS3 en fuite qu'on a toujours pas vu. Reçu. Et pour les autres effectifs, Viper Lead, Sierra Lead, Cobra Lead. Le Cobra s'est cassé de pièce, c'est possible d'avoir une extraction sur le point de Pax. Ouais, c'est ça en fait, ouais, bah, c'est ça, ok. Ok à tous, vous extrayez tous les Pax blessés sur la PMA, et vous faites le plein, direction BA pour se réapprovisionner, c'est parti. On a tout le monde. C'est reçu? Ouais. Pour moi, c'est reçu en tout cas. Ouais, mais pas pour. C'est reçu? C'est reçu. Merci. Ah. Mais... Donc, pour les Vipers, vous vous retrouvez sur la PMA, vous faites le périmètre de sécurité autour de la. Ah, on m'a mené cette opération. Ouais. C'est cool, on n'a pas eu beaucoup de pertes. Ouais. Ah, ouais, c'est. Il y a la voiture là encore à droite, on la reprend ou pas? Non. Oh, si, vas-y pour voir si elle est ouverte, si y a quelque chose de bon.
Heureusement que ceux-là ils étaient nuls parce que bon. Oh putain, ouais. Surtout, ils sont pas très nombreux quoi. Bah, ouais, c'est chaud, hein. Bah, en fait, ouais, c'est des amateurs quoi. De Cobra 5 ou pas direction PMA avec un Pax. Là, c'est quoi ça? Y'a pris peut-être en sur zone. Pourquoi y'a ça là? Cobra 2 également. Au niveau de la, du dôme, ensuite de ça, le Pax. Ah ouais. Mais y'a plutôt. Y'a quand même pas mal de jolies choses. Ah ouais. Carrément. J'ai peut-être pas besoin de faire le plein moi après. Ah si. Bon, information sur la radio, j'entends. Nada. Gala. S'il y a des chargeurs d'AK12. C'est les points d'un méchant, c'est ça. Transmet. Oh. Points d'un méchant. Oh. Oh. Bon allez les gars. Y'a quoi là-dedans? Ouais, il va aller. Une AK12 et plein de chargeurs, c'est Noël. Ah bah ça c'est bien ça pour les Vipers si... ou alors vous si vous voulez. Pour les Vipers, t'es marrant, t'as vraiment que je te donne une AK12. Ah, je sais pas, t'es. Ouais, t'es une AK12. Okay. M249, c'est la vie. Sou, je préfère. Ça, quel plaisir. Faire Spar CZ, Sou. Ah, les gars, M249. Je laisse mon sac dans la voiture, les gars, le premier qui touche mon. Je le chasse. Alors, supprime. Je balance, hein, c'est déjà fini. Hop, j'ai un nouveau sac à dos. Non, non, mec. Allez, on se casse! On est tellement abattu, je suis tellement fier de ma connerie. J'ai entendu. Il va falloir qu'on aille faire le plein. Mec. Le Dragon Rage, une C63 SMG en off-road, est-ce que vous intéresse? Négatif, on termine ce qu'on a à faire. Du coup, la personne qu'on a ramené, le Pax qu'on a ramené, il s'est endormi. Hein. Il est parti bizarrement. Vous avez son nom? Ah, Fi. Au moment où le médecin a commencé à prendre les tensions, paf, on sait pas pourquoi, magie noire, le magicien d'Oz est apparu. Pas bon. Du coup pour tous, est-ce qu'on a encore besoin d'une PMA sur zone? Négatif, vous pouvez le, tous la PMA, collègue relevé, Pax décédé. Retour bien pour votre prisonnement. Bien pris, merci beaucoup. Bon, et pour tous les Vipers RTPA, on se réarticule avec le lieutenant. Jeff, on a deux VL qui viennent d'arriver sur zone, on prévoit un excès de vitesse, faites attention. Allez, direction la BA les gars. Je sais pas, on m'en occupe plus. Je ne sais pas, je peux pas te dire que. Je t'avoue que ça m'intéresse pas trop en fait. Oh les enculés! Comment ça? Ça va en bas? Comment ça les enculés? Malgré vous allez bien? Réflexe. Vous allez bien les gars? Ça va, ça va. Je savais pas qu'il y avait une fonction éjectable. Ah bah là, là tu te rends compte la facture de voiture quand même. Il vous a quand même traité l'enculé, moi je lui dis ça, je dis rien. Ça va faire ça. Non, ça. Un enculé affectif. Yes. Je vous jure que c'est pas moi, monsieur, qui a volé l'orange du marchand. Il a volé l'orange. Bon, heureusement que le colonel il est encore là quoi. Tu sais pourquoi? Ton chapeau. Non. Allez, on bouge. Ouais, ça va. Yes. Allez, c'est parti. Cobra. C'est parti. Regarde ton épaule si tu préfères. Raider, s'il te plaît. Parce que tu es Cobra. Négatif, moi j'ai un gros. De centrale pour tous, action terminée, centrale à nouveau active. Bien sûr. Le Delta Force pour CPL, on va recharger.
A tous de DD. Ah merde. A tous de DD. Sur écoute de Viper. Est-ce que vous comprenez maintenant un peu plus mes directives? On comprend. Merci. C'est pas compliqué pourtant de faire du bon boulot. Logique. Non, c'est sûr. Mais c'était au début. Au début, ouais. C'était un peu flou. C'est vrai que maintenant, c'est plus clair. Voilà. Simple. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Vous êtes combien en policier ce soir? Je sais pas. Aucune idée. On est full, on doit être 20, 25, 28. Par là. Next. Bah, si tu reviens des cas de l'épisode. Oh, ça devrait faire un peu plus que ce que je pensais. C'est bon, on a rien, on a rien. J'ai jamais dit quelque chose. Oh, mais j'anticipe. Bon. Bah, c'est bon. Merci à tous d'être présents. N'oubliez pas de follow pour ceux qui n'ont pas encore follow. Hein. C'est gratuit, ça sert à... c'est gratuit. Et... c'est gratuit. Et vous ratez rien, en fait. Alors c'est pareil, si vous voulez les notifications de mes lives et de mes gameplays ou de la mise en ligne des vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à faire point d'exclamation Discord et de nous rejoindre et vous aurez la notification en direct. Voilà, voilà. Je n'utilise pas de Twitter ni de Facebook pour information en vous jouant. Laissons à César ce qui reste à César. Putain, ça me tente tellement si. Ouais, je sais mon petit Kyrie. Je sais, tu m'as déjà dit. Pour ça, il faut déjà être adjudant. T'étais des policiers avant. T'es parti. T'en es pas parti. T'aurais été Syrah aujourd'hui. Écoute la scène. Ah ouais. Je prends 20 balles. Je passe par derrière. Ouais. Ah, tu, Syrah, passer par derrière, trop de monde devant le beurre. De toute façon, est-ce qu'on a vraiment besoin de rentrer en fait? Ah, moi, pas tellement. Je sais pas, toi, Dédé. Ah non, moi non. Bah non, pourquoi? Attends, moi je vais juste faire le. Attends, laisse-moi descendre. Moi je vais juste vider ce qu'il y a en trop dans cette putain de bannière. On parle des armes, quoi. Serflex, on s'en bat les couilles. Sur A2, est-ce que vous avez besoin de vous rééquiper? Les pansements. Vous voulez garder les pansements ou pas? Attends, je vais récupérer 2-3. Ok, bah je vous laisse les pansements dedans. Les chargeurs de la AK-47, on les garde dedans. Y'a pas une canne AK là-dedans? C'est Nick Nick qui l'a sur lui, je crois. D'accord, mon téléchargeur dans la voiture. Hop, je vous laisse ça. Voilà, et mon gilet, naturellement. Putain, le premier qui touche mon gilet, je l'ai défoncé. Où c'est qu'on va? On va attendre les autres. Ils sont arrivés. Ils sont arrivés? Bon, allez, on bouge les gars, direction la tire. On sait. Faut quoi là? Ouais. Merci mon pote. Centrale pour tous, est-ce que vous pouvez faire un topo des patrouilles, des zones de vos patrouilles s'il vous plaît? Merci mon petit Gugu d'avoir offert un abonnement à Hyper du 76. Merci mon petit Gugu, t'es vraiment le VIP. Le VIP, le VIP. Oh non, merci beaucoup. Justement, maintenant j'ai trop la flemme de repasser pour répondre au combat, mais non, je me dis que je. Pour ça, il y a un central qui demande où c'est que c'est notre secteur de patrouille. Je lui on y répond quoi? De Cobra Lead, retour sur BR. Je suis sûr qu'on se bat dans l'ouest. Bah ouais. Enfin, c'est de centrale. Voilà. Des fois, on fait des choses. Voilà. Ouais, ça, c'est cool qu'il y ait le retour d'une centrale. Ah ouais. Merci, mon petit Gugu, merci pour lui. Oui, et puis c'est. Correction de Cobra Lead pour centrale, direction DC. Oh là, DC. On passe canal 6. Après, tu peux faire une demande de réintégration. Hein. Canal 1, ouais. Canal 1, direction. Direction DC. Pas les premiers, mais. Ouais.
Ouais, tu peux faire une... Tu peux une demande de réintégration. Un faux flash. Ah oui, non, c'est vraiment pas. Unité, les miss. Je crois que eux n'ont pas démarré. Allez, c'est 130. Hein. Ouais, mais je me fais passer pour. Oh, bon, ok. On demande aux autres de rouler à 130, donc roulons à 130. Ouais. Ah oui, j'ai vu. Bah oui. Un peu tout seul, quoi. Jeff ? Info sur vous ? Les civils qui font les... Et je vais me faire coincer par une bande de chi... On arrive. On arrive, on arrive. Par contre... Ça fait un peu beaucoup. Pas du tout. Pas du tout. Je suis beau en blond comme ça, non? Ça te plaît ou pas? Hein? Pas beau là? Merci. Oh merde, la bagnole! Ah, ma vitre! Putain, merde, excuse-moi. En fait, c'est pas mon véhicule, je m'en fiche. Non, c'est ça, la micro, je crois. Ouais, ouais. Bon, on peut la couper. Merde. Bah, les gaz, tu suis les autres? Non. Voilà. Sorti de rentrer, là. En fait, y'a le Sierra 2 qui reste derrière, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout. Ouais, t'as ça, t'as une base sur Sierra 2, tu vois. Tu fais quoi? Je suis bloqué par une bande de gitans. De quoi? De gitans. Ah, ils sont réveillés. De toute façon, on n'a pas d'OP en cours. Tu veux faire un aide? Vous pouvez me le faire taire, s'il vous plaît, là? Il va péter un cul. On va dessus, on va discuter avec les gitans. Ah, ils sont de retour, là. Faites gaffe à votre voiture. Fermez la clé. Ah, mais je vous le dis. Je sais comment ça se passe. Ah, je me suis parqué comme... A new follower. Sanction, bonjour, merci à ton follow de la chaîne, merci beaucoup. Tu peux faire prendre l'exclamation Discord et YouTube pour voir le live que tu souhaites ou le gameplay ou nous rejoindre sur Discord par une notification en direct de la mise en ligne des vidéos et te permettre de jouer en communauté avec les autres followers. Merci à toi, bienvenue. Allez, on bouge, les gars, direction DC. Ensuite. Tu fais bloqué par une bande de gitans. Sans scrupule. Sur canal 6. Négatif, on va sur canal 1, direction DC pour les autres. Avec les autres membres. Ils sont pas... Du coup, on doit retourner canal 1 pour, selon les ordres de DD. Je reviens. Et bah, DD veut qu'on reste canal 1, du coup, on passe canal 1. On va remonter à la DC, on va être sur le canal avec les autres. Et quoi sur. Ensuite, y'a quoi sur l'unité vers la... Oui. Aucune idée. Night. Alors... Mais c'est H24 de véhicule... Gaffe à multiple VL, la belle gitan. Vous avez raison. C'est comme ça, les gars. Vous avez bien fait. Vous faites bien. Profitez-en, hein.
j'ai mal au pif. J'ai mal au nez, les gars. Ah. C'est à cause de la bagarre. Faut arrêter de se battre un peu. Bah, c'est ça en fait. C'est le recul de la HK 416 A5 tout à l'heure. Je l'ai pris dans le pif. Ah merde. Avec le recul. Ah ouais, elle est mal épaulée. C'est ça. Ah, c'est bon, merci mon petit Gugu pour ton don de 2€, merci beaucoup. On se rapproche du Chroma Key. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ben de rien. Merci mon petit Gugu, ça fait plaisir. On va direction d'essai. C'est pas très rapide, 130. Ouais. Hé, hey, t'envoies. Tout le monde roule à 130. Je commence à comprendre, c'est bien. Juste qu'ils roulent sur leur propre bras, quoi. Ouais, c'est juste ça. C'est valide, Jeff? Ah, pardon? Hein? J'ai pas compris ce que t'as dit. Moi non plus. Bon, comment ça va sur le chat? Tout va bien? Tout baigne? Un peu calme encore, hein. Il y a quand même pas mal d'actions ce soir. On se met. Ah, les unités sont là, elles ne répondent pas sur la radio, il n'y a rien, il y a juste des civils sur eux. Je sais pas, et pourquoi ils sont partis d'essai du coup là? Ils sont pas partis d'essai, ils sont toujours là, mais ils répondent pas sur leur fréquence, ils répondent pas sur le canal 1, ils répondent pas à la longue. Je comprends. Il y a des armes là-dedans. D'accord, super. Cobra de DD. Transmettez. Pourquoi la centrale vous a envoyé DC en fait? Je vous ai demandé au Cobra Lead en fait. Cobra Lead. En fait, de Cobra 2, le commandant s'est fait voler une trousse lorsqu'on était à la DC d'ici il y a à peu près une heure, trois quarts d'heure, une heure, et on est venu sur place pour interpeller les individus pour savoir si ils avaient récupéré la trousse ou pas. Aussi. Terminé. Sympa la musique, j'aime beaucoup. Arrive à les contacter. Ah, on est passé canal 3. Et même canal 3 il parle ou pas? Parce que moi j'entendais pas parler. Hein. Canal 3, ouais, il parle. Et what the fuck? Maintenant plus, mais. Je les entends pas, canal 3. Ah. Oh là 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 là. Ouais, c'est clair. De rien. C'est clair. Bon, ben on se casse. Canal 6 pour Sierra. C'est parti, man, Kiki, on va où? Ouais, on se casse, direction. On va décès. Démerdez-vous. Ouais, par exemple. Ah, il y a de la fumée à la DC. La fumée à la DC. Ah, appelez la sécurité civile. Nous, c'est cool, t'es civil. N'oubliez pas qu'il traficote des faux papiers là-dedans. Ah, fief. I'm what the... Bah, y'a eu un coup. Ah. Ah, fief, ouais. Légitime défense, hein. Légitime défense. Puis on fait, on va s'interposer. Bah bien sûr.
a new follower. C'est le go- oh, Gogo 17. Oh. Désolé, mais je rentre pas. Oh, va, toi, dangereux, moi, couper toi tête. Pourquoi toi, fermer barrière sous moi? Et pourquoi toi, avoir tiré? Yes, parce qu'on a essayé de... c'est toi, t'as essayé de m'agresser. Ah, problème interne, c'est ça? Problème interne. Yes. Ouais. Vous assermentez pour poser arme, comme ça? Yes, je vais... D'ailleurs, faut que j'arrange. Ah, c'est mieux. Dans mon sac. Bravo. Yes. Bravo, bravo, bravo. Ouais, ouais, ouais. Problème interne. Je vais récupérer la voiture. Bon, nous pouvoir travailler ici ou pas travailler? Attention. Attention, attention. Ouais. Au revoir. Nous casser un toit en forêt. Toi, fou, m'a appelé police, dire que toi avoir tiré sur personne. Ok, si vous voulez. Ouais. Toi avoir fermé barrière sur nous, toi dangereux. Toi dangereuse. Mais toi, jolie jupe. Moi, beaucoup aimé mini jupe. Non, non, mauvais, mauvais. Pas belle mini jupe. Salut Gogo, dernière fois, Gogo, merci Gogo17 d'avoir followé la chaîne, bienvenue dans la communauté, tu peux également faire prendre des notifications sur YouTube et Discord pour avoir les notifications en direct de la mise en ligne des vidéos sur YouTube, sur Discord et de mes débuts de mes lives, mais également sur YouTube pour revoir les gameplays. C'est dommage qu'on n'ait pas des VL exactement, merci à toi. Mais ne soit pas du tout visible. Je me mélange. Je me mélange. Parce que là, c'est le seul... Ouais, la limite. J'essaie toujours de faire la même phrase, mais j'ai jamais la même ça. Eh, j'avoue, viens, les deux, on sort les Land Rover. Quoi? Viens, on sort les Land Rover, en plus de ça, on peut mettre des gens dans. Oh, mais arrêtez d'être violent comme ça, merde. Allez, on va à Sirta, on fait le tour par derrière, bijoutier, Attira, et on revient. Tranquille, les gars. Je savais que t'aimais passer par derrière. Bah, c'est souvent le cas, et la route est plus étroite. Par contre, étroite, c'est bien. Par contre, faut être en 4x4 parce que sinon tu passes pas dans la merde. Littéralement. Ah, mais là on a pas des berlines 4. Ah, on va patiner, les gars. Plus ça glisse, mieux c'est. Exactement. Si. Si, je crois que ce modèle il est en 4x4. Hein. Enfin, ils appellent ça informatique ou quelque chose du genre. C'est le Quattro ou le X-Drive, enfin tous les trucs à la con, tous leurs noms de merde. Bah, Quattro c'est Audi. Merco ils appellent ça. Et X-Drive c'est V. Alors, Merco c'est informatique. Tu aurais pu trouver un meilleur. C'est pas faux. Peut-être qu'en allemand ça sonne mieux. Formatique. Alpha et Dry. On va pas parler allemand. Oui. Oh, véhicule. Bonjour. Étonnant de croiser un tel véhicule dans le. Ouais, c'est bizarre ici. Hein. Ici, je vous dis, ça pue la chenouf à plein nez. Ouais, que. La boîte à cul, ah, genre ça là. C'est ça, on peut faire un coup. Formatique. Merco, c'est. Fantastique. C'est ça. On contrôle ce truc là. Quel truc? Une petite fourgonnette là qui vient de passer. Tu veux contrôler pourquoi? Bah contrôlera mal vite fait. Équipé? Ah bah gauche avant gars. Ah il est pas équipé mais bon il a une tenue un peu bizarre. C'est-à-dire une tenue, il est pas équipé. La bille ne fait pas le moine et l'ours ne l'a pas vendu. Donc c'est pour ça que le berger ne garde pas ses brebis. C'est qui ça? Toi, ça se voit que tu connais pas le loup, hein. Le loup il est arrivé, il a bouffé le. Oh merde. Je sais pas qui il est celui-là. Pourquoi tu regardes ton endroit? Non, c'est Bishop fait le. Bien évident. Tu veux qui c'est ce monsieur? Sûrement un mec qui arrive avec du pognon. Il est pas passé par mon agent. Escroc. Non mais je connais bien, c'est un petit gang de motards que je connais.
Ouais, ça en va, attendant, pas. Moi je dis, ton truc aurait pu marcher si jamais t'avais commencé pas tout seul mais à plusieurs. Je sais pas de quoi tu parles. J'en ai fait. Ouais, mais je suis un tyran, c'est bien connu. Ouais. Pas une route ici avant. Avant. Ah bon. Il est bourré ouais. Lui. Il a toujours été un sens inverse. Hein. Bah je viens pas souvent ici. Moi non plus. Bref, je te dis, il y a des endroits qui sont complètement oubliés en fait. Bah tout le nord. Le nord, très rare qu'il se passe des choses là-haut. Curiosité. Kakashi Uchiwa. Oh, Kakashi. Oh là là. Je le connais lui. Ah, moi aussi je le connais. Mon fournisseur. Oh. Ah. Mon fournisseur de quoi? Fournisseur d'entrepôt de pères en fils. Cours. Ah. Et non. Oh putain, enculé. Allez, vas-y. Allez! Ouais, mais il y a le pommeau de vitesse qui me faisait chier. Enfin, surtout, comment ça? Ah, tu étais trompé de pommeau de vitesse. Hein. Ah! On ne parle pas beaucoup ici. Hein. Non, bah c'est calme ce soir sur le chat. Hein. Pourtant, vous êtes plus nombreux que d'habitude. Bon, c'était un peu mou quand même. Mais il n'y a pas les habitués aussi, c'est pour ça. Aujourd'hui, nous avons plein de gens qui ne sont pas habitués au stream. À moins qu'ils se cachent et ils font l'autruche. Mais... Et c'est dimanche soir, hein. Demain il y a cours, il y a travail, il y a... Oh, il y a ici. Oh, c'est bien. Bonjour, Alticien! Salut. Moi, aidez-toi à travailler. Bon, ça va ou quoi? Ouais, ah, merde, ça j'ai va. Pas de pioche, putain. Bon. Les riches. Ah. Les riches sont venus. Les riches? Pourquoi les riches? On parle riches, lui. Les bagnoles. Je sais pas, tu comprends les riches. Bon, tu travailles civil, c'est bien? Oui. Ça te plaît? T'as ton gilet. C'est quoi ton objectif? Bien, pour dans le jeu. Ouais, non, dans le jeu, bien. Dans la vie. Oui, dans la vie, voilà. C'est un roleplay. Je veux bien avoir des amis, un truc comme ça. Tu veux être d'accord. Moi, non. Tu veux des amis pour faire quoi? Tu veux des amis pour faire quoi? Je sais pas. Tu veux faire du méchant ou tu veux être méchant? Ça dépend, tu veux être méchant. Des trucs bizarres. C'est ça? Vous êtes faire de la police? Bah non, pourquoi on serait de la police? T'es sûr? Donne-moi ta carte, s'il te plaît. Attends, mais arrête de bouger aussi en même temps. Donne-moi ta carte. Tu bouges, ça marche pas? Oui, je sais. Allez, bah, c'est bon ou pas? Non, allez, ouais, c'est... maintenant c'est bon. C'est bon? Civil en bien. D'accord, oui, civil. D'accord. Voilà. Oui, donc voilà, je vais avoir un gang, un truc comme ça, des amis durs, des gens qui ouais. Font de l'argent. Ah, ah, tu veux faire de l'argent. Ah, nous qui font l'argent. Ah, ça c'est bon ça, ça va bien, ça c'est pas mal ça. Ouais, moi en plus je suis pas bon en français, je suis pas un Tunisien, je suis pas en français donc. D'accord, ah ouais, tu veux créer un gang. Qui me comprennent quoi. Moi je peux faire la traduction si vous voulez. Ah bah nick, bah super. Bien. Momo, donc tu vas Momo, tu vas me faire la traduction là. Wesh khou ya kifesh. Ouais ya khou, wesh dir. C'est un Algérien lui. Eh, j'ai l'accent mais voilà, de temps en temps je me trompe et voilà.
Ouais, bah c'est pas grave, t'inquiète pas, y'a pas de soucis. Bon, comme ça, tu veux créer un gang, voilà. Tu veux créer un gang et faire du braquage. Ouais. Ouais. Je vais être un Pablo Escobar. Ah, tu vas être un nouveau Pablo Escobar, c'est sympa ça. Mais et du coup, tes potes ils farment comme toi ou pas? Le Escobar, du coup, tes potes ils farment comme toi en fait. Putain, mais il y a de la contrebande de diamants. Ouais, ouais, c'est le bordel. Ouais, parce que mes copains sont très bavards. En fait, tes copains ils farment comme toi après. Ouais, ouais, j'en ai des amis bandits et des amis rebelles et tout. Ah ouais. Des bandits. Ils font partie d'une famille et tout. Bandits. Des bandits. 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 Des bandits. Des bandits. Ils font partie d'une famille et tout. Oui. Ah, bah nickel. Ils ont, c'est quoi leur famille? Ah, pour moi. Pour tes potes? Non, 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 moi j'ai pas. Ah, t'as pas, mais tes potes? Ah, je sais pas. D'accord. Je t'ai jamais demandé ça. Ok, ça marche. C'est quoi ton petit nom, toi? Tom Wick. Ok, Tom Wick. Bon, on sera amené à se rencontrer plus tard. Ouais. Tiens. Bon, allez. Reste dans le légal, hein. L'illégal, c'est trop dangereux. Ça coûte trop cher. Ou alors essaye de te mettre discret parce que je te rassure que tu fais plus de thunes en farmant dans les entreprises qu'en allant ici. Voilà, et tiens ta vie, moi. La vie est dangereuse. Tu es, t'es prêt à mourir aussi. Ok. Pourquoi? Ah là là, les nouvelles. Ok, tu veux conduire maintenant? Je savais plus ce que c'était, les petits civils. Ouais, ouais. Ils farment, ils veulent les licences et ils veulent break. Alors. Ah là 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 là. C'est triste que j'en ai pas plus d'ambition. Bah, et l'ambition qu'ils ont essayé de braquer? Ouais, mais bon. Bah Jackson il a répondu. Hein? Bah faut avec Omega. Non, là il a plus. Du coup je pense qu'on va changer sur Land Rover, ouais, on fait le plan. Petit fumier de civil là il a percé le réservoir. Qu'est-ce que oh ma caisse. Moi, Marocain. Quoi, t'es fou, hein? Devais te casser ta gueule. Non, pas. Toi, pas chinois. Moi, allez, prendre ton tien et en faire un petit outil. Bah, allez, on bouge. Bon souci. Allez, direction tiens. Ouais, le casino, c'est une très très bonne idée. Oh non, pardon. Le casino, c'est une très une excellente idée des scorpions. Hein. Carrément. Hein. Trop addictif, mais c'était cool. Ouais. Hein? 3 millions là-bas. Je me suis limité 300 000, c'est tout. Ah. Jeff, chasseur immobilier, ça t'intéresse pas ça? Putain de merde, je le prends tout. T'es me ruine mon métier, le con. C'est quoi ça? Ah mais ça arrive tous les jours, ça sur Azira, je trouve toujours de l'équipement illégal, c'est trop fort. Ah, c'est deux dingues quand même. Ouais, quoi. Allô. C'est bizarre. Bah oui, c'est un braqueur. C'est un scorpion. Tu vas prendre un Land Rover toi aussi? Je devrais faire, Papa Leader. Oh non. Des Papa Leader indisponible actuellement, je suis en audition, je vous écoute sinon rapidement. On vous amène deux personnes avec deux camions chargés de méthamphétamine. D'accord, bah vous ramenez la meth et les camions, vous les garez à l'arrière. Par contre, vous pourrez surveiller les deux suspects, je suis en audition actuellement. Affirmatif. Merci, terminé. Donc, du coup, vous étiez en... Oui.
Il arrête pas. Hein. Il a pas, c'est pas lui qui a genre pris. J'ai pas freiné avec cette voiture. Dans un coup là. C'est pas recrue, il y a deux. Ah bah doucement, parce que cette voiture est très lente et n'a pas. D'avoir plusieurs propriétaires pour une maison. En fait, elle est pourrie cette voiture. Waouh. Oh, Gadjo. Hey, copain, faut pas rester quoi, faut pas rester comme ça, hein, c'est dangereux. Ah bah c'est le monsieur, ah bah c'est le monsieur qui a envoyé le message pour la maison. Oh, dis-moi petit, ta maison tu la vends combien? Elle est un peu chère. Un peu chère? Comment ça un peu cher? Un peu beaucoup cher. Comment ça un peu beaucoup cher? Voilà, j'ai fait une gaffe. Voilà, vous avez vu, j'ai fait une gaffe. Et bah, j'apprends juste un message. Vous avez un budget de combien à peu près parce qu'elle est chère? Combien tu l'as? Un entrepôt. Ça coûte combien un entrepôt? 10 millions. 150 millions un entrepôt. Non, moi je la vends pas 150 millions, c'est trop cher ça. Ah putain, merde, tu la vends combien? 8-9 millions. C'est le tout, bah j'achète sur le champ, j'achète. Où c'est qu'on signe? Où c'est qu'on signe? Attendez, monsieur, attendez, y'a déjà quelqu'un qui est sur le coup là. Ah! Faites monter les enchères. Oh non, bah non, c'est des enchères, ça m'intéresse pas. Moi. C'est pas des... c'est au plus offrant, celui-là qui me donne le plus. Attends, c'est les enchères en fait. Ah oui, non, mais moi je fais ça pour mon copain, il est agent immobilier, du coup, bah je fais ça pour lui, mais. Ah, tu l'arranges pas, il putain. Il va m'engueuler le con. Hein. Attends, pas trop, hein. Le monsieur est prêt à mettre combien? Peut-être que le monsieur est prêt à mettre 2 millions, ça m'intéresse pas parce qu'on n'a pas encore parlé. Du masque pour un. Ok. Ah si, j'ai... ah ça arrive. C'est pas sur ta zone? 4 ça, on crée une histoire RP pour la vente de la maison. Allez, on va dire ça. Affirmatif, Papa Lise est prévenu. Il petite nous a juste carême, demandé de garder à vue les deux personnes en attendant qu'ils terminent une audition. Non, faut dire. Oh! Tu entends ça? Pas encore. Attends ça, papy. Voilà. J'ai une histoire, regarde. Papy. Comme ça. De quoi j'entends comme ça? De quoi je suis toujours comme ça? Ouais, papy, tu as entendu? Pas là votre collègue. Papy. Bah allez, on y va. Papy, tu as entendu? Quoi? Monsieur, il me propose la maison avec Scarel et tout de dingue. Oh, génial. Ah bah si ça t'intéresse, vas-y, millions, ça t'évite. J'ai même pas besoin d'acheter les armes, elles sont déjà de dingue. Eh bah écoute, prends la maison, tranquille, tu vois. On peut aller la visiter ou pas? Ouais, non, pas. Genre, allez, je te la prends, je te la prends. Plus tard, laisse-le faire son business, t'as pas. Je pense qu'il a des choses à faire. J'ai ton numéro, Pierre, t'as mon numéro, là? J'ai ton numéro, mais envoie quand même le tien. Envoie ton numéro. Ok, tu m'envoies un message comme ça, je l'ai. 06. Oui, attends. Ouais, alors attends, 06. En fait, au camion, il fout l'armée en fait. Il est en train de vider sa maison en fait. En fait, on va rien faire parce que. Tu parles fort. 23. Moi, je parle fort. Ouais. 72. Vous m'entendez? Là quand je parle? Allô? Parlez. Poule fort. Là, je suis pas fort là. Là, ça se voit. Là. Hein? Vous m'entendez pas là? Allô? Bon. Je disais, foutez-lui la paix, j'ai fait une erreur, voilà. Il négocie pour voir après avec lui, mais voilà, on le laisse tranquille. On va pas le taper, quoi. C'est logique. Vous voyez ce que je veux dire? T'avais pas de moyen de savoir qui c'était. Bah, je savais pas que c'était lui, en fait. J'ai regardé le nom au-dessus de la tête, j'ai fait une erreur d'anime. Tiens, attends, bouge pas. Hop, je t'envoie un message. Coucou. Bon allez, on dévoile ou quoi? Ouais. Moi je suis fatigué, j'ai besoin de prendre le médicament. Okay. Merci, je vous remercie, monsieur, au revoir. Pas de soucis, tu m'envoies un message si jamais, moi je veux... la maison je la prends, hein. Pas de soucis. Allez, bonne journée. Merci, salut. Non, je disais, j'ai fait une connerie en fait. Aïe. Bah oui.
tellement frustrant. Ah mais je sais pas, c'est sorti tout seul. Sinon j'ai tracé son camion, on sait jamais. Non, oh, bah on s'en fout. Là c'est le tranquille. Bah ouais, mais bon, il y a pas le choix, les gars. Quand on fait des erreurs, on fait des erreurs. C'est la fatigue. Ouais. Ça y est, il y a Lucas qui arrive. Ouais. Est-ce que quelqu'un a tracé son véhicule à fille. Ok, j'ai balle, écoute, je suis sûr qu'il va aller tout droit direction sa maison. J'ai pas d'excuse. Quelle excuse j'ai, les gars? J'ai pas d'excuse. Y'a pas d'excuse en fait. Alors là, je suis sorti en fait, j'avais encore le message Altice TV dans la tête, il est sorti, j'ai vu son nom, je fais oh, c'est lui. Voilà, il y a une réaction de merde en fait. Bon, voilà, on a discuté, ça a créé une action, une histoire RP. Lui, il a trouvé vendeur, et l'autre, il a trouvé acheteur, et voilà, terminé. On n'entend plus. Ouais, Zaros, Nochuri, tout ça. C'est comme ça. Par contre, c'est ouf que les mecs balancent tout comme ça au premier civil venu, alors que Syrah est quand même mal pas mal connu. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux, là. C'est du talent. C'est comme ça, c'est pas grave. De toute façon, il aurait pu... Direction mais... Negades. Afi et Nochuri, ouais. Non, Nochuri, les gars, Negades au niveau... Bah nos champs viennent le dépasser. Bah oui, mais c'est pas moi qui conduis. Et de toute façon, on prend pas les infos qui nous a filées, on sait rien. J'ai fait une erreur, on la prend pas. Tu les répètes aussi. Ah. Moi j'ai rien entre vous. Ouais, bah oui, bah même le gars dans la mine. Mais en fait, il voulait ma carte. Il voulait voir si j'étais pas policier. Bah, je pense qu'il sait pas qu'il y a des faux papiers, en fait. Ouais, non, il est récent. Ouais, il est récent, il sait pas qu'il y a des faux papiers. Donc, quand je lui ai présenté ma fausse carte, bah forcément, il s'est senti en confiance, en fait. Parce que t'as vu, il a dit ah, civil. Bah, oui, civil. Tu lui as donné quel nom? Fil en vert. Et aujourd'hui, bah, la communauté, c'est ça en fait. Je farm, j'achète la licence et je break. Savoir-faire bizarre dans quelques temps. Ah, faut que ça change, faut que cette mentalité change. Ouais, ouais. Je pense que dans pas longtemps, ça va piquer à certains. C'est le mode. Exactement. Bah attends, on est que sur je ne sais quoi. C'est normal, c'est le langue. Il casse pour rien, lui. Ah, fille. Oh putain. Oh, garde le rôle. Pourquoi est-ce qu'on a des voitures comme ça si elles cassent pour rien et qu'on n'a pas des meilleures voitures en bana, genre la Tesla? Bah c'est ça en fait. En fait, c'est pour ça que hier j'ai fait de la farm en fait. C'est pour ça que j'ai farmé. C'est bien d'avoir la Tesla bana quand même. Plein de choses pour voir. J'ai pris la ressource la plus dure, enfin la plus longue à faire, le faux billet. Et franchement, c'est une catastrophe. De quoi qui va piquer, j'ai pas entendu. Bah, ce qui va arriver. Ah merde, non, c'est vrai, bah oui. Ah bah oui. Ouais, mais non, mais pas ce soir, ouais, là dans la semaine quoi. Ah bah oui. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié qu'on était dimanche bien. Ouais, demain il y a quelqu'un qui arrive. Oh putain, il me porte pas la poisse! Et ça, j'y vais y aller le matin et j'ai la flemme et j'irai l'après-midi, je prendrai mon service. Comme on dit, Jeff, tu es chercheur d'emploi. Exactement. Chercheur. Non, chercheur, mais d'emploi. Non, parce que ça rajoute une ouais, pointe de soupçon de. Tu fais partie du paquet de rare. En fait.
avait un entrepôt. En gros, c'est ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Aujourd'hui, la majorité... Eh, vous voulez savoir quoi? Bah, Vinkanti Lansky, c'est pas un mec de la Bubble Mall. Si. Si, si. Eh bah, je ne... Oh. Ouais, on a rien vu, les gars. Oh, putain. Ouais, hop. Du coup, on a rien. C'est un mec qui s'est présenté à la réunion des directeurs généraux. De la ah, de ça. Il a aussi, comme on appelle ça, il a aussi porté plainte contre Aiden Scott. Ah ouais? Ouais, fille, pour je sais plus, pour plein de trucs, genre non-respect du code de procédure pénale, faute grave, genre il a tiré sur un civil, enfin des fautes, des trucs à la con. Ouais, mais les gens ils veulent pas créer des histoires, les gens ils veulent gunfighter en fait. Non, on veut pas faire galérer, pas du tout, on veut pas faire galérer. Aujourd'hui, c'est pas vous qui allez galérer, c'est nous en fait. Voilà. On veut que vous réfléchissiez à ce que vous faites. C'est PLI de pour bah, centrale. D'accord. Il est pour... C'est PLIT pour bah, centrale. Je choisis la roue de la tourne centrale. Et le numéro gagnant est le ting ding 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 centrale. Comment tu veux-tu négocier? Lucas, t'es sur mon stream. Tu vois bien comment ça se passe ailleurs. Il y en a, ils veulent pas négocier. Quand ils veulent négocier, ils s'enfuient. Et après, c'est eux pour l'étape. Il y a eu du passage en tout cas. Appeler nos syndics pour leur donner pour leur demander des points. Oh putain, la DD, t'as raison, il est pour de la merde, tu veux. Bah oui, c'est la merde, je te l'avais dit. Putain, c'est chiant. Tu veux changer, on va à la BA. Bon, pas besoin d'aller à la BA, y a un garage juste à côté, là, au niveau du circuit de cartes, ou même un peu plus loin, là, on trouvera. Le camion se dirige vers des Gades. Quel camion? Celui qu'on a vu, celui que j'ai... Oh, on s'en fout, oublie-le celui-là. Ouais, tout à l'heure, regarde, là, le camion, il fout l'arme. Bon, j'ai fait une erreur, certes, mais... Je suis lui reprocher. Là, il y avait un camion en off-road. Full cigare. Il est parti sans rien. Il a pris son amende pour off-road et voilà, basta. SUV putain. Hein? Ouais. C'est pas d'abord SUV. En gros, voilà. Hein les gars? Hein les gars? Oui, totalement. Ouais, bah voilà. Et puis, c'est comme ça. William pour Cobra Lead. À l'écoute de Cobra Lead. Ah! Je vous attends en vidéo ou je peux vous rejoindre? Attention, on a un véhicule en contresens qui nous a percuté. Aïe! Aïe! On arrive. T'as bien pris. Oh là 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 là! Aïe aïe aïe! Oh, reste pas au milieu de la route! Oh là 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 là! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Papriole, tu montes avec William. Il appelle ses copains ou quoi? Allô? Allô? Pardon? Il appelle ses copains? Il appelle ses copains ou pas? Non, non, non. Non, il appelle personne. On va rester là au cas où, mais...
Ouais, un bisou, mec. Elle est bonne la voiture là ? Ouais. Oh, oui, elle est bonne. Ouais, bah, Deutsche Qualität. C'est que ça camelote à lui ? Ah, ils vont pour bouger. Vous lui avez réparé la voiture là ? Monsieur là. On a une roue de secours dans la voiture. Il était quand même bien fautif. Ouais, mais bon, on va pas le verbaliser et griller sa couverture. Oh, non, 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 mais on peut le laisser de la merde. T'as vraiment un chapeau de merde. C'est quand même un bon chapeau. On dirait un paysan. Alors, ouais, moi, c'est pas mieux, regarde. Hey, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fait de la cigale, et alors ? Déjà, j'ai acheté un pyjama là, pour m'habiller. Hein ? Un pyjama là, pour m'habiller. Ouais. J'avais oh ouais. pas d'imagination, je me suis habillé à l'arrache. Bon, ça va aller. Il y a tout qui était à la lessive, je peux plus rien mettre. Ah, il faudra peut-être penser à changer en fait. Ah peut-être un jour. Putain, ça... Arrêtez de mettre des micro-casques aussi qui t'oreillent. On peut pas mettre des foulards, regarde, mais j'ai rien. Ah, mais ça va. C'est vrai que c'est un peu mieux. Eh, j'ai chaud. Ouais, t'as chaud, t'as comme t'es sapé, t'es en pyjama, mec. C'est pas faux. J'ai sapé qu'il m'a libre. T'as eu mon nouveau sac à dos ? Il est sympa. Il est bien, hein. Ouais, pardon. Il est un peu sale, quelques tâches, mais. Après que ça passe. Ah, bah, c'est nickel. Ah, bah, c'est sûr, au moins ça. Ouais. Ah, ils sont bien ces sacs, par contre, viens voir. Ouais, oh, et puis attaché à la taille pour la matière. Ah, pas mal. Ah, ça va vite, disons. Mais le constat, ça te. C'est à toi de me payer, c'est à toi de me payer l'air. Ah ! Vous le prenez, on va le chercher. Ouais, mais il a pas fait volontairement. C'est bon, il s'est relevé. Allez, embarque. Non, il est comme moi. Non, c'est bon. Il t'a roulé dessus, il a dit quoi ? Je sais pas, il est parti, il m'a roulé dessus, il est parti. Ah, il a dit bien fait. Ok, on le top. Allez, on le tape. Ah bah il est là. Eh fiston ! Vous l'avez ? Parfi. Eh fiston ! Attends, mais il est parti en courant je crois. Non, il est là-dedans. Ouais. Eh fiston ! Attends ! Regarde ! Ah bah ça tombe bien, c'est nous la police ! Allez, descends. T'entends pas ce qu'il y a juste là ? En fait, c'est nous la police, fiston. C'est ça que t'as pas compris. Allez, descends. Descends, garçon. Descends. Mais pourquoi ça ? Bah parce qu'on est de la police, fiston. Pistolet, fais gaffe. T'as pas compris encore ? Descends avant que je te descende. Allez. Moi-même. Je préfère rester. Sors. Écoute. Oh là là, c'est pas vrai. Allez, 3, 2, 1, vous êtes prêts ? Elle est ouverte là. Moi, si je veux, là, je te prends. Allez, c'est parti. Hop, là, il est là. Il est là-bas. Allez, c'est parti. Bah oui, on est policier, je te dis. Allez, pose carte ouais, d'identité. Ça. Quoi, c'est ça ? Vous avez tenté de m'escroquer, vous me dites que vous êtes des policiers ? Bah oui. On a réparé ta voiture et t'as écrasé mon collègue. Je l'ai réparé tout seul, ma voiture, et vous avez tenté de faire des choses bizarres. Vous avez tenté de me vendre une roue 10 fois le prix, a priori. Négatif. Si. Et qui te dit qu'on est policier aussi ? Bah oui, c'est bien ce que je dis, vous êtes pas policier. Bon. Pourquoi t'as écrasé mon collègue ? Pourquoi ? C'était une fausse manœuvre, tout simplement. Je vous ai demandé. Ah, tu n'as pas fait exprès. C'est pour ça. Pourquoi t'as dit non méo, bien fait ? J'ai dit non méo, vous allez pas m'escroquer. C'est ça. Ah, donc ah, si vous d'accord. Repassez tout. D'accord. Ah, bah alors le problème est réglé. Voilà, avec un peu de chance, c'est flic qui arrive. Il me prend pas pour un coup. Ah, bah non, ils vont pas venir, t'inquiète. Bon, fiston ! Tu vas t'excuser d'avoir écrasé mon copain et on va te laisser repartir. Excuse-toi auprès de mon copain. Bah moi je m'excuse mais aucun souci. Ah bah voilà, bah parfait. Non. Dis-lui merci. Non, il... Tu connais pas de poème ? Non. Une cigale et la fourmi. Maître cigale tenait dans son bec un fromage. Oh, il peut ouvrir le coffre ? Comment il fait ça ? De sa fourmi. Ah bah attends, regarde, on peut même t'ouvrir le capot, regarde. Sérieux ? Bah oui. Regarde, on va t'apprendre plein de trucs. Ah, sur ça là, je sais pas, il est bloqué, je crois, le capot. Ah ouais, ah oui, il faut que tu le regarde. Tu peux même te mettre dans le coffre si tu veux, regarde. Ouvre ta voiture. Ah ouais, c'est génial. Hein.
Bah ouais, mais en fait, je savais pas qu'on pouvait faire ça. J'ai mais vas-y, ouvre ta voiture. Vas-y. Ah, bah d'accord. Non, tu es arrivé en train ouais, il y a très peu de temps. J'ai atterri il y a pas longtemps. Voilà, je peux faire. Allez, ouvre ta voiture, je vais te montrer comment faire. Vas-y, ouvre ta voiture. On va train faire, t'inquiète. Oh, on sait jamais, vous êtes. Non, bizarre. je te promets, sur la tête de ma grand-mère qui est décédée il y a quelques années. Ah ouais, allez, ça vas-y. Bien. Allez, vas-y. Ou là, le juge, il a dit que j'étais tranquille. Vas-y. Regarde. Ah non, tu peux pas sur cela. Oh, merde. En fait, j'ai pris une bagnole pourrie, quoi. Ouais, en fait, tu peux pas sur cela. Dans l'idée, c'est ça. Regarde, tu peux même monter dans le coffre de la voiture, là. Ah ouais, tu peux rien faire, en fait. Bon, tu veux qu'on te la répare, la voiture, ou t'as quoi réparer? Il a réparé, lui, la voiture, les gars. C'est quelqu'un qui est très gentil, qui s'est excusé. Quel diamant? Allez, les mécanos. Mais tu fais pas de diamant avec cette voiture, quand même. Bah, je vous ai dit, je commence. Oh la vache. Mais pas. J'ai rien, j'ai pas de thunes. Mais va travailler aux entreprises, ils donnent des camions. Et ils sont fermés tout le temps. Oui, c'est vrai. Ils sont ouverts. Je suis passé tout à l'heure, ils m'ont dit revenez à minuit. Ah ouais, qu'elle était, la diamant, elle était ouverte à 8h du matin ce matin. Ah, mais il y en a quoi? C'est quoi ton petit nom, toi? C'est quoi ton petit nom? Bon, tu veux mon petit nom? Tiens, je te donne même ma carte, au pire. Ah ouais, bah, c'est pareil. Alors, comment on m'a. Attends, on m'a expliqué tout à l'heure. Alors, tu restes appuyé très fort sous ton portefeuille Windows et tu sors ta carte du portefeuille. Ça, et carte d'identité, tiens, je peux. Exact. Ah, bah, elle brosse. Putain, mais t'es accusé à Mario. Non, Mario, il est plombier. Lui, c'est Mario Bros. Moi, c'est. Et toi, t'es ramasseur de diamants. Boing, 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 boing. Ah, mais vous avez combien de roues de secours dans votre coffre? Il est immense, les gars. Bah, c'est un 4x4, il y en a 3. On est des mécanos, en fait. Ouais, parce qu'on prend des voitures comme ça, parce que des fois, on charge des gens. On a des courses à faire. Ouais. Allez, écoute. Bon, allez, fiston. C'est des mécanos, c'est pour ça que t'as un mollet de fusil. Suite à la consommation de. Exactement. Bon, reste dans le légal, survie. Je suis seul dans mon hélicoptère. Où en êtes-vous du côté de l'autre côté? Bah, va dans les entreprises et va travailler. Si, moi j'ai un job pour toi. T'es là la prochaine tempête? C'est quand la prochaine tempête? Juste après, là, dans une heure. Tu seras là? Il y a de chances, ouais. Ok, retrouve-moi à la place de Kevala, j'aurai du travail pour toi. Ça sera bien payé. On va voir ça. Par contre, si t'essaies de me douiller. Et même si vous voulez que je fasse l'otage bidon, je m'en fous. Non. T'as un travail tranquille, tu prends un camion, tu pioches du diamant et tu me le ramènes, c'est tout. C'est réglé. T'inquiète. Bon, on va voir ça. Allez, à tout à l'heure. Je vais aller vendre mes 12 pauvres malheureux au diamant. Bon, allez, bisous. Salut Mario. Et passe le bonjour à Luigi. Elle est pas mal celle-là. Papa leader pour Alpha 00, parlez. Jeff, on vient de recevoir le. J'ai besoin de vous supporter au niveau de la BA, il y a un gaffe qui est passé cette porte. Arrête. Il y a le monsieur là qui merci me demande si je suis d'offrir encore un abonnement à Wither. Merci beaucoup pour lui. Wither, t'as plus qu'à remercier mon petit Gugu de t'avoir offert un abonnement de 1 mois sur la chaîne Springfield TV. Merci mon petit Gugu, t'es le meilleur des vies. Non, on oublie. Hein? Non, j'ai dit Gugu, c'est pas du cucu. Il se passe quoi dans votre voiture? Arrêtez de vous tromper, hein. Il y en a qu'un seul de lui éviter. Merde! Nice! Al plus F. Ouais, alors le mec il nous envoie un message: police, Namek, extra mafieux. Police, dandy, tout arrête! Comment ça va? Tout arrête! De centrale pour tirer. Tranquille, c'est la police? Transmettez. Descends de véhicule! Transmettez. Comment vas-tu? De son véhicule. Transmettez. Vous auriez la possibilité d'aller faire un petit check à Negadez pour le message? Comment allez-vous? Ah, fille, on va y aller. Oh, c'est lui, c'est vendeur de diamants. Allez, les gars. C'est les molécules. Allez, bonne journée, toi. Allez, on bouge, du clic. On bouge, les gazes. Il est condé. Condé, police. Allez, on se casse. Negadez. Bon allez, on bouge Negadez les gars. Sur la colline, on check Negadez, on donne information à Centrale. Reçu pour info à Negadez, il y a le mec qui m'attend pour la maison, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il est. Je sens que c'est en rapport.
Ouais, je sens que c'est... Ouais, bon, laisse tomber. C'est qui Namek extra mafieux? C'est Azarov, bonne question, je crois que c'est Azarov. Azarov Nabil? Ah, ouais, c'est Nabil, je crois que c'est Nabil Azarov parce qu'il m'a dit qu'il voulait être indique pour la police et je lui ai dit de me donner des bonnes infos. Ouais, bon allez, on tient pas compte de cette info là, les gars, vous savez pourquoi. Bah pourquoi? Bah là, on sait pas que c'est lui, là, c'est juste. Parce que, je répète, alors oui, on a cherché. J'ai lu le nom sur la tête en fait tout à l'heure. J'aurais pas dû. Eh oui, non, mais là c'est un mec au pif, là c'est un mec, là c'est Nabil. Après, je sais pas, je trouve que c'est peut-être pas lui, mais je sais que c'est Nabil Azarov qui me dit, enfin qui me dit qu'il y a un mec qui l'a chopé dans la maison. Ok, d'accord. Bon, c'est, on sait pas que c'est lui, là c'est pas. Ah, fille, c'est. Allez, on y va. Mais si c'est lui, si on voit que c'est lui de loin, on se casse, hein, je vous pas là. Et Nabil, il a aucun rapport avec le truc de tout à l'heure. C'est pas toi. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, gaz. Et ça? Et bon, la dalle. Ça y est, 8h, il a les icônes, il a les émoticônes d'abonnés, ça y est, il est parti. On va se placer sur une colline du coup. Ouais, on check devant, on va à gauche. Putain, je peux avoir des batteries s'il te plaît. On va se placer sur les collines pour l'instant. On charge d'appeler les Marshall pour voir si jamais ils veulent venir, si jamais c'est ok pour la faire. Par contre là t'es plus qu'un spot hein. Ouais bah ouais là c'est discret mec. Parfait. Plus discret. Parfait. Plus discret on meurt hein. J'aurais quand même pu prendre une voiture rose. Vous êtes toujours là? Ouais Zizi je sais pas ce que... Ah, c'est pas moi qui conduis hein. Ouais bah on va dire que c'est tout. Bon ok. Gigi est le grand. Ah, c'est le même camion que tout à l'heure, non? Ah, bah, du coup, oui, j'imagine que. C'est quoi la position GPS de Namek? Tout trop. Ah, bah, il n'y a pas de position. Quelqu'un lui envoie vite un message pour ça. Je fais ça. Venez vite sur moi, j'ai chopé un mec. Ah, fils, c'est Nabil, 030-186. Alors, faudra dire à vos indiques d'arrêter d'interpeller des mecs en fait. Ah, bah, on lui a jamais dit d'interpeller, il l'a interpellé par lui-même. Ça fout de chien l'appel. C'est d'où l'appel? Bah c'est Nabil, c'est... Pff, on sait pas, on va aller voir, hein, mais apparemment, on verra. 030 137. Ah c'est quoi tiens? Fox avec maison. Quelqu'un répond à Nabil pour lui dire qu'on va aller check ou qu'on arrive. Je dis qu'on arrive. Toi qui conduis des déco. T'es sûr que c'est moi qui dois conduire? Ah ouais, t'as pris le volant ensuite. Me redonner, c'est pas un problème. Tu veux pas que je conduise mal? Ah non.
Non, non. Pas du tout. Je n'oserais jamais dire une chose pareille. Donc, putain, Zizi. Pas, mais... T'es belge, toi? T'es belge? Ah, c'est bien, c'est bien. Donc, si vous avez des soins à me donner, je vais planquer. En contrepartie de chocolat. Exactement. Tiens, on va dire que c'est toi. Oh, on va arriver sur zone d'ici 700 mètres, on va voir qui c'est. Le choc a activé le... Oh putain, c'est ça, la tête. Oh. Oh, t'as vu un peu? Ah mais ça c'est, le... c'est les compétences de Zélé. Follower. C'est ça. Zélé est le meilleur pilote. C'est ça. Les gars, ça c'est maîtrisé. Ça. Il y a un pilote d'ALF. En plus, on n'utilise pas les ponts parce que c'est pour les trains. Ah, ah, c'est toi qui la conduis, pas moi. Ah bah. Ouais, j'avoue. Putain, t'arrêtes de casser, merde. On va changer de conducteur, je vais prendre le volant. Si c'est le même que tout à l'heure, vous le relâchez, les gars. Bah là, RAS, y'a pas de... y'a personne sur la... Ah, désolé. Ah. Alors, hop, petite pause. Ok, ça pose. Et voilà. C'est bon? Ah ah ah, on a des klaxons. Je crois qu'on a notre. Allez, allez, va. Qui part sans délai? Il est au bord de la mer. Alors, je vois personne au bord de la mer, mais. Faites gaffe au traquenard, les gars, ça pue ça. Ah si, ouais, je vois le... je vois l'individu. Un homme menotté avec Monsieur Azerov. Il y a plusieurs gars, là. Ah, bonjour monsieur la police, alors comment vous allez? Bonjour, comment allez-vous? Ah, ça va être. Alors, bien, monsieur, alors... je vous explique. D'abord, t'es à poil. Voilà. Attends, hop. Mais il passe 2-3 millions pour information. Donc, en gros. Pas arrête de parler, s'il te plaît, merci. En gros, c'est ce monsieur. Pourquoi maintenant ce... Hop. Pardon. D'accord, merci. C'est gentil. Vous voyez comment il m'insulte. Son cas, vous voyez ton visage, je crois que j'ai oublié. Attends, mais c'est qui? Ouais, bah oui, c'est moi. C'est bien bon. Bon, écoute, c'est en gros, ce mec, il vendait sa maison. Je lui ai dit, vas-y, présente-la moi, montre-moi ta maison, il me l'a fait visiter. Okay. Donc là, on peut, là, je vais vous donner son adresse. Ouais. Ouais, c'est bon, connais l'histoire. Et du coup, allez, vous venez, les gars. Il est armé, et si jamais dans mon véhicule, il y a une trousse et une arme qui est, bah, qui est à lui, en gros. Ça marche. Moi, je vais manger là. Ah, vas-y, viens, viens, monte. Madnick. Je vous donnerai jamais les clés. Zizi, monte. Il y a un qui en voiture. Moi je monte. Non, pas toi. Toi tu gères avec les autres. Bah, si tu veux. T'inquiète, Saïd. Saïd ? Ouais. Alors, HRP, tout à l'heure j'ai lu ton nom au-dessus de la tête. C'est un admin qui te parle. Je te relâche à côté de ton camion, ok ? Et pourquoi en fait ? Bah, parce que tout à l'heure j'ai fait une connerie. J'ai lu ton nom sur la tête. Ok ? Ok, mais. Donc, on oublie. Non, mais on oublie. Je te ramène à la. À ta voiture, tu prends ton camion, comme si de rien n'était. Ok ? Allô ? Ouais. Non, mais je t'expliquerai tout à l'heure. Ok. Je t'expliquerai plus tard, on oublie tout, t'inquiète. Ok ? Ok. T'inquiète, c'est moi qui ai fait l'erreur tout à l'heure. Y'a pas de raison que tu ramasses par rapport à mon erreur. Ok ? Pas de soucis. Voilà, je suis honnête avec toi, hein, je peux penser. Ouais, c'est super gentil, je te remercie. Ok ? Donc là, je te dépose à ton camion, tu fais ta life, et nous, on s'en occupe de lui, on va lui expliquer. C'est... Ça marche ? J'ai récupéré mon arme alors, y'a pas de soucis, mais mon arme s'il te plaît. Parce que j'ai plus d'argent là, j'ai plus vraiment d'argent. On va voir ça, ok ? T'inquiète. Ouais. Et c'est gentil d'être honnête comme ça, c'est rare. Bah, c'est pas rare, c'est normal. Les gens ils sont...
Non, là, sur les autres serveurs, les admins ils s'en battent les couilles. Ouais, ils font une erreur, mais ils... après, si ça tombe dessus, ils s'en battent les couilles. Ouais. Et voilà, c'est cool. C'est honnête. Voilà. Jeff, pour les. Ouais, j'ai vu. Tu t'occupes de Nabil, tu fais ce que t'as à faire avec lui, tu me ramènes la trousse et l'arme, s'il te plaît. Et tu le dis partir direction ailleurs. Tu règles le problème avec Nabil et tu me rejoins avec la trousse et l'arme du mec. Ok, reçu. Merde, elle est où cette putain de garage hein. Plus en haut. À droite. En fait, tout à l'heure, j'ai lu ton annonce, pour être clair avec toi. J'ai lu ton annonce et j'ai vu ta signature. Et quand t'es descendu du camion, je dis « Ah, c'est toi !» Voilà, un peu. Ah. Voilà. Que... Mais non, pas du tout. Pas du tout, c'est moi qui ai fait l'erreur. Voilà, hop, tiens, vous le détachez, les gars. Et on va te ramener ton arme et ta trousse. Donc, tu sais pas qu'on est flic, hein, naturellement. Tu... Ouais, bien sûr, on sait jamais. Hop, vous détachez. Évidemment. Et t'as, voilà. Ah. Voilà, on te laisse faire ton business, mes collègues vont te ramener le truc. Petite curiosité, t'es pas obligé de me dire, mais dans ton camion, il y a quoi? En fait, j'ai plus d'argent pour acheter un véhicule, j'ai plus aucun véhicule, ils sont tous volés. Alors, je vais rouler avec un camion, j'ai plus d'argent. Ah, d'accord. Ça marche, pas de soucis, Saïd. Bon, allez, bonne chance. C'est à vous aussi. Ok, Jeff, tu déposes tout au niveau du camion du mec et la trousse et l'arme et on s'en va. C'est reçu, donc attends, le mec là, on le libère là? Ah, fi, on le libère. Pourquoi? Parce que je t'expliquerai après. Bon, bref, tu déposes la trousse et l'arme du mec et on s'en va. Reçu. Voilà, faut être honnête, bonhomme. Ouais. Désolé pour le live, mais une erreur d'administration, ça arrive. Et surtout de ma part, et donc faut l'admettre, il faut la reconnaître. Parce que si une fois je me fais virer de la police, je vais ouvrir une entreprise de maçonnerie puis je vais finir. Pour faire correctement. Partout. Moi, t'as travaillé dans ton entreprise. Trouelle pour trouelle. Pa la 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 la. Bonne dev pour Cédric, c'est ça. Non, pas une bonne dev parce que je suis honnête. Il est au garage, les gars, au niveau du camion, les gars. Il a déposé son arme, sa trousse et on s'en va. S'il avait profité de ça pour l'arrêter, oui. Attention. Hein? C'est quoi son nom, par contre, Dédé? Saïd Boukhari. Saïd Boukhari. Allez, va voir là-bas ce qu'ils foutent, là. Allez, on se casse. Allez, on s'en va. Il y a la R6. Ouais. Non, voilà. Allez, on bouge de Megadeth, direction route principale. C'est reçu. Envoyez un message à Nabil pour le laisser tranquille. T'es bien joué, mais je ne peux pas suite à une erreur de ma part. Voilà, point. On reprend le jeu. Y a pas d'erreur de ta part, Putain, il comprend pas. Hein. Non, en vrai, je t'expliquerai après. Mais j'ai bien compris en fait, c'est parce que tu dis que tu l'as reconnu avec sa voix, machin et tout, sa tête, etc. Sauf non que là, l'occurrence. Non, je l'ai reconnu parce que j'ai lu le nom sur sa tête. Oui, mais justement, mais y a aucun rapport en fait. Nabil, il a pris l'annonce que le stop mec a envoyé. Merci, stop. Voilà, terminé. Oui, je sais, c'est bien joué de Nabil, mais on jouera pas l'action. Pour mettre peut-être un message aux autres unités avant qu'elles viennent. Non. Il a rien dedans. Oui, mais pas que.
Oh d'accord. Ah vous avez vu, j'ai sauté par dessus la route. Bah j'aimerais bien savoir comment d'ailleurs. Pourquoi le camion fait demi-tour du coup? Pourquoi le camion fait demi-tour? Parce que sinon ils font pas demi-tour, ils sont sortis du... Ils sont sortis de le raffinement. Ah oui, il y a un raffinement putain. Au moment que je reforme un peu. J'avoue que tu me laisses dans le néant là. Ouais, mais je t'expliquerai plus tard. Là, je peux pas là. J'ai ouais, t'inquiète, tout. t'inquiète, vas-y. Allez, direction PA. C'est parti. Et je répare plus vite que vous, les gars, laissez tomber. Ouais, pour de la mécanique, c'est moi. On est reparti. Un gaz. 5 points par 5 points, ma foi. Gugu, festival d'abonnement mon petit Gugu ce soir, merci beaucoup pour Rosarui, merci beaucoup pour lui. Merci mon petit Gugu, merci pour eux. Par contre je m'arrête à la station, je suis vide. A new follower. Bienvenue père. Ah ben Ro, père du 76. Merci à toi d'avoir follow. N'oublie pas que Infinity Gugu t'a offert un abonnement sur ma chaîne. Merci et bienvenue dans le groupe privilégié des abonnés et des followers. Merci à toi et bienvenue. N'oublie pas de nous rejoindre sur Discord et tout ça. Merci mon petit Stevers, bis bis. Là. Quoi? Je dédicace ce all in à Gugu le pédo. Pourquoi, pourquoi le pédo? Je suis fort, c'est Nabil. Je comprends pas trop là. Attends, on coupe pas le live tout de suite. Je coupe pas le live tout de suite. A new follower. Salut Nelson, merci de ton follow, bienvenue. N'oublie pas de nous rejoindre, point d'interrogation Discord et YouTube pour voir tout ça. Ah, GG. T'inquiète, il comprend. Ouais, je m'inquiète pas. C'est quand je vois pédo, je dis ok. Sur, un, sur ouais. Mon live, toi, c'est un peu bizarre. Du coup, mais bon, si vous comprenez ça. C'est le pio. De qui? Bienvenue Nelson. Bienvenue Nelson Gaming. Merci beaucoup non. De ton follow. Débrouille. Laisse-le parler dans le vent. Il comprendra. On a failli mourir. Bah l'autre derrière aussi. Point d'exclamation, hyper. Point d'exclamation, pas d'interrogation. C'est moi qui me suis trompé. Point d'exclamation, Discord. On va voir les notifications de mes lives et... Ah, tu vas y arriver, Dimers, aussi. Voilà. Ça, c'est parce que il a parlé à la radio il y a pas longtemps. Ah ! Voilà. Vous aurez toutes les notifications en direct de début de mes lives et de la mise en ligne des vidéos sur YouTube. Il faut connaître la chaîne YouTube, point d'exclamation YouTube. Tout ça. Ben, c'est quand même passé pas mal de choses ce soir, je trouve, les gars, non? Ouais, ça... ouais, c'est pas mal. C'était cool. Un peu de temps que j'ai été là, ouais. Je pense que avec ce qui va se préparer par le gouverneur et tout ça, on va faire beaucoup, beaucoup de surveillance et d'infiltration. En fait. Ça va être plus dans nos cordes. Pourquoi il y a des réformes qui arrivent? Ah oui. Plus tard que la semaine prochaine. Santé. Enfin, tes souhaits. Merci.
Merci mon petit merguez aux airs pour ton don de 10 euros. Et naturellement, quand le casino ouvrira ses portes, je passerai de temps en temps dépenser mon argent durement gagné avec mes potes de la Syrah. Il n'y a pas de problème. Non, moi j'en perds trop. Je vais même leur donner du pognon pour jouer comme prime de bon travail. Yes. Voilà. Merci à toi pour ce petit don de 10 euros. Et on se rapproche de plus en plus de l'objectif, point d'interrogation, envie, qui est le matériel nécessaire à améliorer la qualité des streams. Si on fait retour BA du coup? Ouais, dans le cas, on va faire un petit débrief. Merci mon petit Mario. Oh, t'aurais pu rentrer par la porte principale, on va ranger les VM. Ah, je vais même pas rentrer par la porte principale. Oh, non, non. Moi, c'est ça la porte principale. Super, les gars. Super. Bravo, Nils. Bonne musique. Ah, ouais, oui, sympa. Allez, je vous laisse faire ce que vous avez à faire, discuter. On se retrouve sur le toit de la BA dans 10 minutes. Oui, bien, c'était juste pour voir si. Bah oui, le monsieur est clairement positif. Hein, drogue, alcool, narcoleptique. Oh putain. Putain, un bâtard, on a une sale gueule. Ouais, c'est tout ça parce que je suis un arabe encore. Ah, tout à fait. Exactement. Non, mais de toute façon, je connais la chanson. Hein. Ah bah voilà, bah là. Tu les petits prisonniers? Non. Le briseur? Le briseur, pourquoi? Ah, devine. Parce que tu brises. Je brise mentalement et physiquement. Tu t'en sors. Ouais, monsieur le ministre, ça va ou quoi? Ouais. Bah, alors, comme neuf. Ça va, T'as osé prendre un mec comme ça? C'est Patrick qui l'a engagé, hein, mais c'est lui qui gère le. Je vais le faire virer. Il fait bien son boulot. Hein. Ah, bah t'as mieux, tu peux demander au Premier ministre. Hein, il demande qu'à moi. Hein. Le briseur. Le briseur. Non, monsieur Briseur, il m'appelle. Hein. Ah, monsieur Briseur. Merci mon petit whisky. Merci mon petit merguez pour le don de 5 euros pour le sans rêve Ortagan, je sais pas quoi. Hein? T'as eu un problème de perquis? Là, tu m'avais envoyé un message. Je me rendais sur lui. Ah, merguez et champagne, merci. Merci beaucoup. Hein? Non, mais, ah bah, moi je te donne pas ma carte, puis après katana. Oh la vache. Oh la vache, putain, Francky, t'as mis le katana qu'il a lui? Regarde-moi. Hop! Oh ouais! T'as vu la différence ou quoi? Ah ouais, bah moi le mien, regarde, si je me tourne trop vite, boum! Je peux te trancher, hein. Ouais, bah moi, je te dirai pas ce que je fais. Bon allez! Ah, tu sais quoi? C'est quoi le. Il y a eu un bix pour la carte? Attends, j'ai plus envie de te parler en fait. Il y a eu un bings pour la partie. Ouais, d'accord, tu le prends comme ça, bah vas-y. Non, tu m'as dit que c'était annulé là. On m'a dit que c'était annulé. Quoi? La perquisition. Hein. La quoi? La perquisition. Laquelle? Bah, moi, on m'a envoyé. Ah, Negadès là? Ouais. Ah, oui, annulé, ouais. Il y a eu un problème? Oui, oui, un truc personnel. Ouais, d'accord, façon, aucun problème. Voilà. Oh, bah, tu fais pas la gueule, fiston. Ouais, c'est bon, arrête, hein. Arrête, moi, tu sais bien que je t'aime bien, c'est pour ça que je te charrie. Qui charrie, aime bien? Qui châtie bien, et bien, vas-y, rentre dans ma BA. Rentre. Ce que je vais faire en prisonnier? Quoi? Je vais écrire général avec mon katana. Colonel, s'il te plaît. Général, c'est pas moi. J'ai bien, Abad. Je suis fier de toi. Je pensais que t'allais mal tourner en fait. T'as vu, je suis sur la bonne voie. Hein. Ouais, c'est vrai, ça te change. Ah, moi je reste pas là. C'est qui, chinois? Et salut! Qu'est-ce qu'il fait? Changement de plan pour la Syrah, on va se retrouver dans les caisses. Il y a une garde à vue en cours. Vous faites quoi là? Pourquoi vous avez un sabre à la main? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Je suis entré dans la pierre! Ah! Excusez-moi! Hop là! J'écrive ton nom sur un prisonnier? Ouais, s'il te plaît, ouais! Et si j'ai pas envie de payer, non, c'est pour éviter. Si vous avez pas envie de payer, écoutez-moi bien. Ouais,
cette amende va vous être imposée à l'écran par ma part. Si vous refusez de payer celle-ci. Allez, je vais tout monter, c'est le manège général. J'en peux plus. Allez, ministre, vous essayez. Je sais que t'as des sentiments pour moi, Octavio. Yes. Je sais qu'il y a des sentiments pour moi, Octavio. Pourquoi tu as dit ? Et donc du coup, je suis sous du gui. Et c'est comment ça. Tu as pris ça ? Non, on m'a balancé le morceau en fait. Qui dit ça ? Bah, tout le monde le dit en fait. T'as des noms ? Bah toute la police un peu. Donc du coup, on est sous du gui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand on est sous du gui ? Mais Nick Nick va pas là-dedans pendant que c'est en train de bouger. Alors, ça que j'ai jamais dit ça. Mais on s'en fout, t'as jamais dit ça, on est sous du qui. J'ai jamais dit que j'avais des sentiments pour ça. Non mais c'était une blague en fait. Bon les gars, vous dépêchez ou quoi la merde? Y'a Octavia qui est chaude. Ah pardon, qui est sympa. Ouais. Non rien. Ouais. Non, elle est pas chaude, elle est en sueur parce qu'elle a chaud au soleil. Ah, mais elle est à l'ombre. Bah, justement, je lui ai dit d'aller à l'ombre, de rester près de l'ombre, sous l'arbre là-bas, mais elle veut pas. Elle veut pas rester sous l'arbre avec moi. Ah, très bien. Comment ça ? Allez-y, monsieur. T'es bien ? Hop, allez-y. Non, non. J'ai jamais vu la couleur de tes yeux. Quoi, non ? Bah, allez ! Tiens, allez-y, tiens. Bon, sous l'arbre, parce qu'il fait chaud là. Apparemment, il y a Octa qui est chaude par ici. Ouais, elle avait chaude. Et en fait, je lui ai dit. Bon, encore une journée de travail rigoureux, laborieux. Malheureusement, nous avons dû supprimer des vies comme tous les jours. Encore des vies de rebelles. Altos doit survivre, quoi. Pourquoi Altos? Parce que j'ai décidé de dire Altos. Tiens, comment on appelle les habitants d'Altis? Altos. Voilà, bon alors pourquoi vous me reprenez, bordel de merde? Les Alticiens. Les Altos. Les Altos. Et les femmes? Et vous êtes policier ou vous êtes... Ouais, mais on se demande des femmes en général. Vous êtes polygène. Et les femmes, on les appelle les... Les Altos avec deux S-E. Exactement. Non, les chaudasses, c'est... Les chaudières, merde. Les chaudières, oh, plus de politesse. Bon, nous avons encore dû supprimer quelques vies. Machine à vapeur. De défendeurs de pandas. Cette équipe, je pense, ne veut pas trop défendre des pandas, mais plutôt sacrifier leur vie contre le gouvernement. Ah, d'accord. Vous comprendrez que ça sert à rien de se battre pour des pandas qui sont pas méchants. Non, et moi j'ai jamais vu de pandas sur la piste. Bref. Messieurs, je parle pas mandarin. Je pense que nous avons encore effectué une belle mission. Des belles missions. Nous avons encore sauvé pas mal de policiers et nous avons travaillé avec professionnalisme et surtout, nous avons été placés scrupuleusement, parfaitement. Nous sommes en sous-effectif. Notre cher Whisky est superviseur Viper ou Cobra, je ne sais plus, Cobra. Moi, je suis là pour vous diriger vers la sainte voie afin que la voie vous soit sainte. C'est beau ce que je viens de dire, non ? Ah ouais, j'aime bien les trucs. Voilà, notez là. Un poil répétitif. Hein. Non, les gars, bon, vous avez fait du bon boulot, je suis content de vous, je suis fier de vous comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Profitez de votre soirée et rendez-vous demain pour la suite. J'espère que vous avez noté ce qu'on recherchait, donc ce qu'on a trouvé en information, parce que je pense que ça va nous servir pour plus tard, mais à voir. J'espère que les Altos et les Altos au féminin. C'est con de dire deux fois le tout ça. Ben, vont. Ou le peuple d'Altis, hein, comme ça. Vont. Ouais, c'est vrai. Vont comprendre que nous sommes plus une île en guerre grâce à notre talent de policier d'Altis. Bravo, messieurs. Repos, amusez-vous. Voilà, vous avez chacun du pognon. Allez manger au restaurant, allez à la boîte à clés. Oui, mon pognon. Faites ce que vous avez à faire. Bon, allez. Ouais, allez, nous, on a un milliard, on va manger au restaurant. Hey, il a rien. Ah, oh, voilà, c'est ça. On paye un restaurant, hein, aujourd'hui. Il a rien glissé. Hey, je t'invite aujourd'hui. Juste la poche. Ah, merci, j'ai juste merci. Mis la main dans la poche, là. Il m'a même volé de l'argent, c'est ça le.
Qu'est-ce qu'ils font ici avec leur échelle? Allez, c'est bon. Et y'a quelqu'un qui voulait se suicider, mais pas du tout. Qu'est-ce qu'ils font là-haut là? Ah, mais c'est le ministre. Bon, voilà. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. Au rendez-vous 20h minuit sur Altis Live France, comme d'habitude, comme tous les soirs d'ailleurs. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à tous les nouveaux followers. Merci aux nouveaux abonnés qui se sont abonnés grâce à Infinity Gugu qui leur offre un abonnement. Voilà, donc merci Zach de nous avoir followé, d'être parmi nous depuis le début de la soirée. Merci CC du 44. Merci Anthony Dark. Merci Polo. Merci Toto. Merci Sanson. Merci Gogo. Merci Infinity d'avoir offert un abonnement à Weezer. Merci à Tiller. Merci Gugu encore d'avoir offert un abonnement à Ozaru. Merci Hyper. Merci Stivers pour tes beats. Merci Merguez pour tes dons de 15 euros. Merci Nelson. Merci Zemat. Hein? Et merci Matt pour les beats aussi. Ah oui, exact. Merci mon petit Matt. Ça fait super plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir chaque soir. Partagez un maximum la chaîne. Pour ceux qui n'ont pas follow, n'hésitez pas à follow la chaîne. Voilà, vous n'allez rien manquer. Discord est là pour jouer entre vous, pour trouver des joueurs sur différents jeux comme R6, Apex et tout ça. Mais surtout pour avoir les notifications en direct du début de mes lives et de la mise en ligne des vidéos sur YouTube. Pour plus d'informations, point d'exclamation Discord, point d'exclamation YouTube. Voilà, partagez un maximum. Plus on est nombreux, plus on rit. Merci de faire vibrer le chat comme tous les soirs. Je vous donne rendez-vous demain, 20h minuit, sur Altis Live France. Colonel Dédé, Dédé, le flic le plus fou de ALF. Merci à vous, merci de votre bonne humeur. Bonne soirée, prenez soin de vous, sortez couverts. Bonne nuit, à demain. Et voilà la famille, le streaming est maintenant terminé. Mais avant de vous quitter, je tenais quand même à tous vous remercier. Merci à tous les followers et tous ceux qui ont followé dans la soirée. Merci aux abonnés et tous ceux qui se sont abonnés. Merci aux donateurs et à ceux qui ont